Mm-hmm. Bonjour à tous et bienvenue pour ce dixième épisode d'Arrêt Caméra. Bonjour Julie, bonjour tout le monde. Et oui, c'est notre dixième épisode et dernier de la, la saison 2022. C'est un peu notre épisode spécial Noël, les fêtes de fin d'année, avec un blockbuster plus deux films à réessayer. Avant de revenir en 2023, on espère d'ailleurs Morgan qu'on pourra revenir en 2023. On espère qu'il n'y aura pas de fin du monde. Et qu'on sera toujours vivant. On s'est demandé euh, quel sujet de discussion on allait aborder au début de ce dixième épisode. Et en fait, on va faire comme tout le monde, on ne va pas tr être très originaux. On va parler de nos top cinéma 2022 qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Heureusement, nous sommes deux personnes différentes, ce <laughs> ne sont pas les mêmes tops. Euh, donc on va effectivement avoir quelques désaccords sur certains films. Et aussi quelques films en commun. Donc, on, a on profitera évidemment du, de ça pour faire un bilan, un petit bilan en fait cinématographique de l'année 2022. Et comme notre programme est chargé, je pense que l'on peut lancer sans plus attendre notre bilan de l'année. 2022 est une année un peu particulière, riche euh, en cinéma, comme toutes les années, vous me direz, sauf accident, mais c'est surtout l'année d'un retour euh, à la normale pour le cinéma après une année 2021 tronquée en raison euh, en vrac des confinements, des fermetures, des réouvertures et euh, bah, les fameux couvre-feux. <laughs> une année donc pas tout à fait normale, mais qui, disons, euh, a tenté de l'être euh, comme nous tous. Nous faisons tous semblant d'être normaux. Bref, prenons-la comme telle. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Morgan, est-ce que, euh, de manière générale, pour toi, 2022, est-ce que c'est une bonne année de cinéma ou pas Bien, personnellement, je trouve que j'ai eu pas mal de coups de cœur. Et pour le coup, j'ai même eu des difficultés à coucher d'un top 10. Tant j'aurais voulu y mettre certains films qui m'ont plu ou ému. Un peu pareil pour moi, Jérôme. Voilà, mais qui se retrouvent donc relégué aux, aux places d'honneur dont on ne parlera pas. Donc, s'il y a eu quelques grands films, par contre, je n'ai vu qu'un chef dor en salle, mais je ne vais pas pour autant vous donner mon plaisir. Et toi, Julie, qu'est-ce que tu as pensé de cette année bah, Morgan, tu ris souvent de ça, mais tu sais que j'aime bien, euh, bien les chiffres, j'aime bien faire des statistiques. Donc, euh, pour préparer consciencieusement ces discussions, en fait, j'ai regardé euh, mon profil sans Critique. Moi, je me sers quasiment euh, de Sens Critique euh, euh, que pour les, les, les films, parfois pour les films mais j'ai tendance à absolument tout noter, tout classer. Et moi, euh, c'est la première fois que j'ai fait ça, ouais. J'ai ouais. créé copié. mon compte euh, Sens Critique euh, à cause de toi cette année. Et du coup, j'ai fait une liste euh, en privé euh, des, des films que j'ai vus. Mais sinon, c'est vrai que d'habitude, j'utilise euh, mes notes sur mon téléphone et je fais un classement au fur et à mesure. Tu avoues quand même que le, le site est au moins pratique pour ça, malgré, euh, malgré les bugs. Mais donc, pour le, tout ce que j'ai vu, euh, disons que je classe depuis euh, 2016... Il y a des années où je mets plus ou moins euh, des 8 et des 9 sur 10. Bon, c'est pas tant que j'ai spécialement envie de noter des films pour être sympa ou pas, mais, mais ça me permet de retenir ce que, ce que j'en ai pensé. Et donc, bah là, si je me fie à l'année 2022, euh, par rapport à d'autres années, je trouve qu'elle est euh, plutôt correcte. Enfin, J'ai mis relativement pas mal de bonnes notes. Euh, et dans plusieurs catégories, du film indé, du film américain, du blockbuster, du film français, euh, français etc. On peut dire que c'était une année euh, effectivement plutôt variée en termes de Pluriel, ouais. voilà, de qualité de film, d'horizons différents, et c'est euh, vrai qu'on ne peut pas dire que c'était une mauvaise année. Non, il y, eu, euh, y a eu plein de choses et, et des bonnes choses euh, un peu partout. Enfin, on, donc je vais commencer pour mon top par la fin. Ça s'est battu dans un mouchoir de poche, mais j'ai choisi de mettre Bruno Redal. Le premier long métrage de Vincent Leport. J'avais déjà vu son moyen métrage, Le Gouffre, un, un film qui dure 50 minutes, que je recommande chaudement, qui date de 2015 et qui m'avait impressionné. Euh, Le Gouffre, c'était un film euh, un peu horrifique qui se passe en Bretagne. Et là, avec Bruno Redal, je trouve qu'on est euh, face à une nouvelle voie du, du cinéma français pour un sujet qui est bien évidemment très dur et en même temps magnifiquement narré et mis en scène sans concession enfin, pour moi il a, le film m'a beaucoup marqué ouais, moi aussi j'ai ai vraiment aimé Bruno Redal, peut-être pas autant que toi mais euh, je suis content justement que tu le cites car euh, s'il si n'est pas dans mon top, il mérite euh, d'être vu donc euh, si vous nous écoutez si vous avez la, possib si, pardon, la possibilité regardez-le euh, surtout que le film n'a pas très bien marché en salle c'est vrai Notamment en cause de son interdiction au moins de 16 ans. Oui, si et on, on, on rappelle ici d'ailleurs que, bon, une interdiction euh, selon l'âge, effectivement, euh, ça permet au film d'être, euh, on va dire, bien moins vu, en fait. Oui, les exploitants, euh, ils ont vu l'interdiction au moins de 16 ans, ça nous a moins beauté pour, pour le programmer. Euh, donc, ton numéro 10, c'était Bruno Rédal. Le mien, euh, c'est un film que nous avons tous les deux chroniqué à l'arrêt caméra lors de l'épisode 6. Il s'agit de IO, ou EO, de Jerzy Skolimowski. Donc, c'est le grand et beau retour du, du cinéaste polonais euh, des années 60. Euh, donc, un film euh, enfin, qui suit celui que, pour le coup, je n'ai pas du tout aimé, qui s'appelait 11 minutes. Euh, et c'était sorti il y a quand même pas mal d'années. Donc, on se demandait euh, ce qui allait se passer. C'était un peu la surprise de la sélection canoise. Et donc, OO euh, est une réussite euh, à la fois amère et très touchant euh, où euh, Skolimowski fait le parti pris d'une forme d'animisme. Euh, c'est presque du Disney. L'humain, il est Disney relai... version arrêté, c'est quand même. Oui, non, mais voilà, mais tu vois <laughs> ce que je veux dire. Il y a la fameuse scène dans les bois, on dirait Bambi, quoi. Bien sûr, bien sûr. Euh, Donc euh, l'humain, il est relayé au, au rôle secondaire, parfois hors champ, et ils ne sont présents que pour quelques minutes à chaque fois. Et tout le film est, est soit du point de vue de l'âne ou des autres animaux qui croisent, soit du point de vue de machines autonomes comme des, des drones ou de petites caméras mobiles. Et le film, bah, pour le coup, c'est une vraie qualité. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé dans chaque épisode, mais euh, le film, il a le mérite d'être court. Parce que, euh, cette année, a, on a vu des films très longs. Oui, il y a peu de films qui ont été, euh, disons, euh, en dessous des deux heures. Alors bon, on, 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 je ne suis pas en train de dire que euh, la plupart des films en 2022 sont bien plus longs qu'ils l'ont été par le passé. Ce n'est pas ça. C'est juste qu'il euh, y, a, y a une impression subjective. Je n'ai pas de statistiques pour, euh, pour la prouver. De films très longs. Et donc, Io n'est pas très long, il dure 1h20. Surtout qu'on a rattrapé beaucoup de films de Cannes qui, euh, pour le coup. à euh, Cannes, ils sont très longs. Voilà, ils cette année, ils étaient particulièrement longs. Hein. Donc, euh, le film dure 1h20, euh, je crois, c'est ça. Ouais. C'est ça, ouais. Donc, c'est Ce très agréable, très ça file droit et sans de tirgiverser. Bah du coup Morgane, tu viens de citer le second film de mon top 10. Je ne vais pas répéter ce que tu as dit sur euh, Eo, mais j'ai rarement vu des grands cinéastes prendre euh, la condition animale à bras le corps. Ah tout, tu veux dire que c'est ton numéro 2 Oui oui. Ah je vais faire un, un petit spoil. Bah, c'est pas grave. Mais donc là voilà, il, il parle des animaux, il en fait quelque chose de bien et il le fait en, en plus original par rapport, par exemple, à un, un bon journal avec son ogja de 2016. Que tu trouvais pas original pour le coup. Non, pas pas tant que ça. Alors, il y a une chose qui est originale euh, et qui, quelque part, dans OGJA, pour euh, le, le hors sujet, euh, annonçait euh, une certaine manière de, de voir les animaux, notamment à travers les mouvements donc euh, antispécistes. Donc, pour le dire en trois mots, les antispécistes considèrent que tous les animaux sont égaux et se valent. C'est quand dans OGJA, il y avait ces parallèles entre euh, les cochons donc qui vont à l'abattoir. Et les camps de concentration, à l'époque, ça avait énormément choqué. Je pense que si ça avait été fait en 2022, ça aurait plus tant choqué que ça. Parce mmh. qu'il y a des défenseurs de la cause animale qui font eux-mêmes ce parallèle-là. Oui, et puis on a beaucoup vu des montages vidéo. Euh tu sais qui reprenait euh, exactement images. Exactement. Quelque part, bon, euh, c'était euh, vraiment la partie la plus originale euh, de Ogja. Mais pour en revenir euh, à EO, je trouve que Skolimowski, il pousse euh, le, le bouchon bien plus loin. Il y a carrément un côté science-fiction il y a des images euh, expérimentales. Ça fait d'ailleurs euh, énormément plaisir de, de voir autant d'images euh, qui se veulent expérimentales euh, dans un film qui, para qui, paradoxalement, est assez grand public. Enfin, je veux dire, il a été. Euh, exploité dans, dans pas mal de, de salles je trouve. Grand, grand public dans le sens où euh, c'est un film quand même d'auteur euh, euh, qui se laisse aborder, c'est pas euh, c déjà c'était en compétition Cannes. Bien sûr, c'est pas là on va dire le 30, 40 minutes ou une heure de film expérimental qui se passe sous le manteau sur internet, sur des sites louches. Oui, on n'est hein. pas chez Stan Brakhage ou Jacques Perconte pour citer un cinéaste plus récent. Et que je ne connais même pas, tu vois. Mais euh, quand je dis euh, expérimental, il n'y a, a, a pas que dans l'image, il y a aussi dans, dans cette tentative de, de faire sentir euh, euh, ce que l'âne ressent, ses, ses sentiments, si tenter que ce soit possible, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'anthropomorphisme là-dedans. Il enfin, y a son souffle, y a... Enfin, on, on a l'impression d'être euh, en sa présence, de, de voir à travers lui. Et, et c'est pour moi l'un des meilleurs exemples de mise en scène euh, au cinéma euh, cette année. C'est quelque chose de vraiment fort. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle euh, ce film m'a profondément marqué. Bah, du coup, je saute euh, la case, je vais passer du numéro 2 euh, au, euh, au numéro 9, puisque j'ai déjà parlé de mon numéro 10. Et donc, mon numéro 9, on en parlera bien plus longtemps euh, plus tard, c'est Avatar, La voix de l'eau, donc Avatar 2. Je monte encore pour aller sur le numéro 8, parce que j'ai mis un film iranien, Les Mines Machad, euh Duquel j'attendais pas grand chose, mais ça a été une immense surprise pour moi. J'ai adoré. Euh, c'est pas ton cas, Morgan spécialement, donc je m'en vais le, le <laughs> défendre. Il y a, a d'autres films à réessayer qui ont fait sensation cette année, mais euh, je que Les Nuits de Machat, c'est vraiment l'un de mes préférés, malgré une intrigue qu'on peut trouver classique et je comprendrais complètement. Y, les Nuits de Machat, quelque part, il concentre toutes les, les contradictions de l'Iran en lui. Et puis, euh, quand il est sorti, je peux pas m'empêcher de le trouver accidentellement, bien sûr. Euh, annonciateur des événements euh, qui se passent aujourd'hui euh, en Iran et euh, à propos desquels, on va dire, la couverture médiatique internationale est, euh, est un peu compliquée enfin, à, à l'heure actuelle, pour ceux qui ne savent pas, en Iran. Euh il enfin, euh, y, y a très souvent en ce moment des, des manifestations, des exécutions, enfin, je veux dire, il euh, y a des choses très graves qui se passent. Et quand on voit les nuits de Machat, je trouve que, que ça explique beaucoup de choses là-dessus. Des manifestations, des, euh, des exécutions qui ont été... Euh... Exécutions sommaires. Hein. Oui, mais qui ont été euh, initiées parce qu'il y a eu à la base un, un fait divers, en fait, où une, une femme a été... Euh a été lapidée de, Alors non, des très exactement une femme qui a été accidentellement euh, tuée par euh, des policiers iraniens mmh. euh, qui ont dit qu'il s'agissait d'un accident apparemment ça n'était pas un et ça a toutes les chances de ne pas en être un ce qui a mis le feu aux poudres et entraîné énormément de manifestations avec une révolte notamment au niveau des universités iraniennes mais donc voilà pour en revenir aux nuits de de Machan. enfin je le redis je, je trouve que, que ça euh, concentre les, les germes de la colère dans dans ce pays et puis, euh, en fait, pour un film arrêté, souvent ce qu'on reproche à l'arrêté, c'est d'être euh, ennuyeux. Disons, euh, pour caricaturer, pour les gens qui aiment euh, ou qui sont plus habitués au cinéma américain euh, très rythmé, euh, ce film-là, Les Nuits de Machat, va vraiment leur, euh, leur parler. C'est un bon film policier. Et puis, euh, le prix d'interprétation pour euh, l'actrice principale, je l'ai trouvé plus que mérité. C'est vrai que l'actrice est un des, des principaux atouts d'un film que pour bon, moi je trouve un peu en pilo pilotage automatique notamment sur la partie intrigue policière qui pour le coup ne m'a pas convaincu euh, parce que ça reste assez classique. Euh, au contraire de tout ce qui touchait l'aspect sociétal et politique, la deuxième partie du film notamment qui se passe dans, les, euh, dans une prison avec un jugement euh, du, 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 du tueur du, du film, où là ouais, on est vraiment dans, dans l'Iran en fait, euh, qu'on qu qu voit actuellement euh, à la télé. Quoi. Et euh, effectivement cette partie-là est mise en plus euh, en perspective avec ce qui se passe actuellement, on se rend compte que oui le film il, il y avait ça en germe. Tu as non, on dit que le, le réalisateur a, a quand même touché quelque chose de, de juste et puis, c'est la, la force des, des films euh, de qualité, en tout cas, euh, de pouvoir. Euh, enfin, des œuvres en général artistiques, de pouvoir pressentir euh, ce genre de, de choses, quoi. Euh, donc, pour moi, le numéro 9, euh, euh, tu avais Avatar 2 dans, dans ton top, moi, c'est le numéro 7. Mais de la 9e à la 7e place, j'ai trois blockbusters américains. Quel vendu Ce qui <laughs> est très étonnant pour un, un type de film qui qui, à mes yeux et je pense qu'aux yeux de, de, de plein de personnes, a peu, peu, peu à peu perdu son, de son lustre au cours de la, la dernière décennie avec l'hégémonie des, des super-héros. Mais cette année, on, on a eu comme une, une rébellion au sein du genre vers un retour soit au, au classicisme, au dépassement et à la quête de l'extraordinaire et de l'exubérance, ou bien à des films sur un film qui sont à la fois beaux et, et bizarres. Alors cela dit, que des films euh, dont les licences n'ont rien de nouveau oui, tu as raison. Non, c'est. Tu fais bien le, le thème, mais euh, effectivement en, en, Hollywood ne s'est pas totalement renouvelé, c'est vrai. Non, mais au moins il a fait des bonnes choses. Voilà. On, on peut faire de, des, de la bonne confiture dans des. Je ne sais quoi... <laughs> oui, c'est les, les vieux pots qui font les bonnes confitures, voilà, Morgan. <laughs> euh, donc euh, oui, pour le classicisme, il euh, y avait Top Gun Maverick euh, et l'exubérance, il y avait Elvis. Euh, les deux ne sont pas dans mon top 10, mais ils ne sont pas passés loin. Euh, et j'aurais préféré donc The Batman, qui est 9e, et euh, 3000 ans à attendre, à t'attendre, qui est à la huitième place. Alors, oui, pour le coup, j'ai été mauvaise langue. Euh, 3000 ans à t'attendre, là, c'est. Moi, j'ai trouvé ça nouveau. Non, mais oui, par rapport au reste. Hein. Puis, mais après, on n'est pas dans le euh, giga blockbuster euh, qui coûte euh, trop cher. C'est pour ça, tu, tu fais bien de le dire. Donc, pour, pour revenir sur The Batman, vu que c'est mon neuvième, le film de Matt Reeves, il est, Matt Reeves, il est très long et imparfait, mais j'ai été saisi par sa vision romantique, émo, voire gothique du Chevalier Noir. Euh, pour moi, c'est la rencontre entre la vision très comics de, de Tim Burton, que j'aime beaucoup, hein, j'adore euh, Batman Returns, pour moi, c'est la meilleure adaptation de Batman, et celle plus réaliste et, euh, et politique de, de Christopher Nolan. Le film a d'ailleurs des échos avec euh, l'Amérique de Trump. Et notamment une scène qui paraît faire étrangement référence à la prise du Capitole, même si le film a été écrit avant. Justement, on rejoint un peu ce Typiquement, tu... j'allais dire, pardon de te couper, Morgan, non le bah... genre de scène qui, à mon avis, peut donner du grain à moudre aux conspirationnistes de se dire mais ce qui s'est passé là, euh, euh, ça a été écrit avant dans un film. Oui, après bon, le film est sorti après parce qu'il y a eu des retards Bien de tournage, sûr. donc euh, effectivement, euh, au moins ça, est, euh, <laughs> ça, ça permet de, de qu'on n'ait pas qu'on n'est pas droit à ce truc de, de conspirationnisme. Mais tu as raison. Euh, donc comme si Matrix l'avait pressenti, un peu comme ne, euh, le réalisateur Ali Abbasi euh, dans Holy Spider* avec euh, Bien sûr. la révolte. Euh, j'aime le film, euh, j'aime que le film s'attarde autant sur Bruce Wayne que sur la, la chauve-souris, donc Batman. Euh, D'ailleurs, Pattinson est excellent et qu'on euh, désacralise enfin le, le père de Wayne. Au passage, Pattinson, je me rappelle que quand euh, il avait été révélé publiquement qu'il avait obtenu ce, euh, ce rôle euh, d'incarner le, le nouveau Batman, il y avait eu énormément de, de critiques à son égard, et vu la qualité euh, du film, et par extension de son jeu d'acteur, euh, elles se sont révélées complètement injustifiées. Oui, et puis ça, de toute façon, c'est un truc typique des, euh, des fans et des... Et des geeks, quoi, de s'énerver dès qu'il y a un truc qui va pas. Là, ça, on voit, euh, ils ont annulé euh, les, avec, euh, les Superman Comics, voilà. oui, avec Henri Cavill. Les avec Henri Cavill. Et euh, les gens euh, s'énervent. Oh, ça va être nul. Nan, nan. Enfin, on verra. Hein. <laughs> de toute façon, oui, on en donc euh, oui, j'étais content qu'ils désacralisent le, enfin le, le père de Wayne, qui, en rappelons, est, est, un, est un mec super riche et, euh, et donc euh, Batman on a l'habitude de, de le rendre un peu émouvant ce personnage, de, notamment à travers la mort. C'est souvent ça. Alors que ça reste des problèmes de riches, bon, oui, pas voilà. que je caricature bien sûr. Et donc là, ils en ont fait un, une sorte de, de salopard, même si bon, c'est un peu nuancé dans le film, mais euh, ça change au moins des, des, des monarques beaux et cool de Black Panther où il y a aucune nuance et où il y a, je le rappelle, une promotion assez différente de la monarchie. À Absolue. Non, mais c'est ça. Et, euh, et ça raccorde une fois encore le film justement à justement l'Amérique de Trump. Et donc pour passer à la suite à 3000 ans à t'attendre, je pense qu'on bon, en reparlera plus tard, car il est un peu plus haut dans ton top, je, je crois. Oui, c'est exact. Et c'est également le, le cas pour Batman que j'ai placé en cinquième, parce que voilà, j'assume qu'il consacre aussi Robert Pattinson comme un des meilleurs acteurs. Euh, deux films américains. Le projet était d'autant moins évident que, bon, des Batman et des Joker, enfin euh, titre personnel, je ne suis pas fan de comics, je ne suis pas fan de ces figures-là. Euh, J'estime qu'on commence à en avoir soupé à force d'en de, avoir, en fait. Et puis Matrice, il a été capable, de, quelque part, de renouveler euh, cette figure-là, même si, certes, il fait dans la synthèse, mais, euh, mais voilà, cet anti-héros, en l'inscrivant euh, dans une atmosphère très années 90-2000, euh, Enfin, esthétiquement, d'ailleurs, on est, on est loin de euh, ce qui fait euh, visuellement 2022. Par exemple, euh, un blockbuster comme euh, Everything Every Day uh, All at Once, un euh, blockbuster dont on a parlé dans notre tout premier épisode d'Arrêt Cameron, Mémoire. J'ai bonne mémoire, moi. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Très fort. Euh, donc, <laughs> Everything Day, uh, all, uh, all at Once, c'est une image très 2022. Le Batman euh, de Matt Reeves, je trouve que c'est une image très fin 90, début 2000. D'ailleurs, le film a été à, 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 à raison comparé souvent à, à Seven de, de Fincher, même si je trouve que c'est euh, visuellement. Ça se ressemble, mais c'est pas. Oui, ça se ressemble, c'est pas tout à fait pareil, mais en termes d'atmosphère très sombre, très euh, fin de millénaire, je, je comprends complètement le, le parallèle. Bien sûr. Sans transition, je grimpe à ma septième position. Je sais que certains vont s'étouffer. Ne pas comprendre. <laughs> Peut-être ne plus jamais écouter Harry Caméra, mais c'est pas grave, j'assume. J'ai adoré « Au profonde » de Adrian Lyne avec Ben Affleck et Anna de Armas. Et... Euh je dois, je dois être l'une des seules dans, dans ce cas. Avec toi, Morgane, puisque tu l'as beaucoup aimé aussi. Oui, il a failli terminer dans mon top 10 aussi. Pendant longtemps, il était dans mon top 10, mais euh, il y a eu certains films en fin d'année qui l'ont un peu décalé. Il doit être à la 12e ou 13e place. Donc, on va dire que tu l'as beaucoup aimé. Et oui. c'est le seul film de mon top 10 qui n'est pas sorti au cinéma, mais directement sur une plateforme de SVOD. En l'occurrence, si vous voulez le regarder, il est disponible et toujours disponible, de toute façon, sur Amazon Prime. Je suis convaincue qu'il y, qu y a eu un, un quiproquo sur ce film. Beaucoup croyaient voir une sorte, on va dire, de Fifty Shades of Grey, parce qu'il a été vendu dans la bande-annonce comme tel, avec un côté très thriller entre, encore une fois, Ben Affleck et anna de Armas, euh, bah, alors qu'il euh, s'agit, euh, on va dire, d'une euh, sorte d'histoire de, de couple très noire qu'on a envoyée dans les années 90 et donc, justement, euh, Adrian Lyne était euh, l'un des plus grands promoteurs, mais euh, dans une version complètement euh, dévoyée, euh, caricaturée et, euh, et volontairement, en fait. Ça, ça en fait un film qui est désopilant. C'est un des films à propos duquel j'ai le plus ri cette année. Euh, Adrian Lyne assume complètement un humour euh, caustique dans Eau Profonde. Euh, il montre en même temps un personnage de femme. En dehors des conventions, enfin, je veux dire, Anna de Armas dans le film, elle est dépendante de son mari et euh, elle décide de le faire tourner en bourrique jusqu'au bout, jusqu'à avoir des, des relations avec d'autres hommes euh, devant lui. Enfin, parce que voilà, elle est, elle est sous sa coupe. Il y a d'excellentes répliques, des sacrés punchlines. Il y a une méchanceté vraiment qui est assumée il euh, y a une imagerie qui est bleu-verte comme des, des anciens thrillers, l'appareil c'est exagéré, enfin, pour moi c'est une vraie bonne surprise de l'année, j'ai passé un excellent moment devant. Oui et puis euh, tu parlais d'Anna Dermas, c'est vrai que le rôle est, est génial et euh, dommage que euh, finalement on mette plus la lumière sur Blonde qui était euh, un film... Euh... Alors que je la trouve bien mieux dans eau Profonde que dans Blonde. Ouais, et encore je trouve que c'est pas tellement sa faute dans long, c'est aussi l'écriture du personnage qui est juste un buvap comme. Bah, c'est, je pense que dans Blonde c'était difficile de, de faire autre chose que, que du pastiche. Ouais, c'est ça. Euh, moi, on va m'accuser d'américain mental pour citer un ami, <rire> mais <rire> après avoir cité les trois blockbusters, euh, donc Avatar était septième. Avatar, on en parlera dans, dans le, les critiques, parce que c'est au programme aujourd'hui. Et on a beaucoup de choses à dire dessus. Voilà. Euh, la sixième place de mon top, c'est encore squatté par un film américain, c'est Licorice Pizza de, de Paul Thomas Anderson. C'est d'ailleurs le film qui a le plus squatté mon top de l'année, vu qu'il est sorti, je crois, lors du premier mercredi de janvier. Euh, donc j'ai pour le coup, une drôle de relation avec Anderson, donc Paul Thomas Anderson, pas Wes Anderson, euh, qui est un cinéaste dont je n'apprécie pas vraiment la première partie de la carrière. Notamment ses, entre guillemets, chefs dœuvre adulés que sont Magnolia et Zero Will Blood, qui sont pour moi de gros pâtés pleins d'esbroufles. Je préfère quand son cinéma s'est mis à se lâcher un peu, flirter avec la folie, notamment grâce à la rencontre avec Joaquin Phoenix, qui a été cruciale dans The Master, puis Inherent Vice. De même que Phantom Thread, Thread pardon, il aurait pu être effroyablement raté s'il n'y avait pas eu Vicky Cripps comme pendant à Daniel Day-Lewis. Parce que tu conçois que le film, si c'était juste le sur film Daniel Day-Lewis... Le tient grâce à du du voilà, ce duo-là, Le duo est, est génial. Euh, et Corris Pizza est certainement son film le plus candide, le plus virevoltant. C'est un teen movie virtuose il va partout, il amorce plein de sous-intrigues sans aller au bout de la plupart d'entre elles, c'est complètement libre, pour nous raconter au fond qu'une histoire d'amour, certes particulière, entre un adolescent et une jeune femme. Alors, je, je tiens à préciser, un adolescent en fin d'adolescence, on ne parle pas d'un adolescent qui a 11 ans avec une jeune femme qui en a 20. Hein. Non, non, c'est un, un ado euh, bien tassé à 16 ans, euh, allant euh, vers ses 17 ans, quoi, ses 18 ans. Et puis, il travaille, enfin, le mec est super indépendant, quoi, c'est assez marrant dans le film d'ailleurs, euh, il arrive, tu sais, c'est un peu une éloge du, du capitalisme, oui, oui, <laughs> mais de manière euh... très légère, quoi, c'est assez bien marrant. Sûr. Il trouve toujours des ah, est combines. c'est un entrepreneur Non mais oui, c'est ça. Ouais. Euh, donc oui, le film, j'aime beaucoup sa liberté et surtout sa belle lumière qui, qui prouve quand même que la pellicule a encore de, de beaux restes. Hein. Et de beaux euh, représentants aussi. Et le film est, est très beau et c'est surtout un film qui ne se laisse jamais enfermer dans sa propre nostalgie. C'est vrai, contrairement à beaucoup de, de films cette année euh, qui, qui ont moins bien marché sur le, le versant, on va dire... Euh, historique mais de décennies pas si lointaines que ça enfin, c'est notamment ce qu'on avait reproché euh, aux amandiers de Valérie Bruni-Tedeschi tout à fait et donc de mon côté j'ai directement mis l'icoris pizza en troisième de mon top euh, c'est mon coup de cœur euh, du début de l'année 2022 euh, début de l'année 2022 il y avait quand même euh, euh, de sacrés films enfin je, il y en a beaucoup que j'ai aimé euh, j'en dirai un peu plus plus tard il y a dans l'Icoris Pizza une inventivité de tous les instants, effectivement. C'est une tranche de vie qui nous montre un optimisme débonnaire, quelque chose qui, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était, semble-t-il, je n'ai pas vécu à cette époque, je ne suis pas aussi vieille que ça, euh, prégnant dans les années 70 euh, aux États-Unis, euh, pré-Ryan. C'est plus un instant donné que qu raté qui nous dirait que c'était mieux avant et puis son casting est très réussi. J'ai envie de mentionner Alana Haim, Cooper Hoffman, euh, de tous les films que j'ai vus au cinéma cette année je, je trouve que c'est vraiment un des duos les, les plus attachants bah du coup j'en viens euh, à 3000 ans euh, à t'attendre euh, en euh, sixième position que beaucoup ont trouvé moche affiche comprise enfin, après il faut dire que euh, voilà enfin, les couleurs criardes c'est à dire les, les, les teintes vives au cinéma c'est plus du tout euh, à, à la mode donc je, je comprends qu'on qu trouve ça moche mais c'est pas moche pour autant donc là on est dans le petit blockbuster ou pour euh, citer euh, quotidien dans le blockbuster d'auteur, euh, à la fois par euh, ses moyens et ses résultats. Quand euh, 3000 ans à t'attendre est sorti, je m'en rappelle encore, beaucoup ne savaient pas qu'il y avait un film de George Miller en salle, euh, parce que, bon, au niveau promotion, c'était euh, cet été, il n'y avait pas grand-chose, on ne voyait pas beaucoup d'affiches. Mais surtout que le film, a, euh, la, la promotion a été complètement sabotée, euh, on sent que ça a été lâché par... Euh, alors c'est qui le distributeur, je, sais plus, je ne sais, sais plus. Mais comme s'ils n'y croyaient pas, c'est triste. Pour, oh, oui, euh, c'est ça. ça. Donc, enfin, euh, je veux dire d'autant plus que c'est un super film. Enfin, j'ai adoré l'histoire, l'humour, les effets spéciaux. Enfin, c'était vraiment emballant. C'était original. Enfin, on ne on voit pas souvent ce, ce genre de, de fiction-là. C'est vraiment différent de ce qu'on voit d'habitude au cinéma de grand spectacle. Ouais, c'est un film un peu ringard, en fait. C'est marrant, mais euh, en même temps, il a une, une grosse, enfin, grande beauté dans, dans cette ringardise et, euh... et une générosité. Alors, ouais. on va me dire que oui, derrière générosité, on peut mettre du bon contre du mauvais, mais enfin là, on est quand même. Euh, dans le bon, il y, a, il y a une volonté de chercher à montrer autre chose. Enfin, Encore une fois, des histoires différentes, des, des, j'en avais parlé dans harry caméra, des corps différents, des, des traitements différents. Il y a euh, l'inspiration des Mille et Une Nuits qui, qui est la principale et qui tient la route, comme la difficulté aussi d'adaptation au monde moderne qui est une euh, des principales thématiques de 3000 ans à attendre. Enfin, Pour moi, c'est vraiment une des plus belles histoires d'amour de l'année. Et je trouve qu'on en sort heureux. Il n'y a pas beaucoup de films cette année dont on sort heureux, content. Bah, 3000 ans à t'attendre, on sort heureux. C'est vrai que c'était un feel good movie, ouais, tu as raison. Et, euh, et les effets spéciaux euh, me restent en mémoire. J'ai adoré le, le grain donné au, à la cendre et à la poussière, au sable. C'est y a, y a un vrai, une, maté enfin, une matérialité euh, assez folle. Euh, donc, tu avais parlé de blockbuster d'auteur, oui, c'est vrai qu'on peut pinailler sur la nature du film. Est-ce que c'est un film d'auteur de luxe ou un blockbuster d'auteur euh, Le film, il fait quand même 60 millions de dollars de budget, c'est quand même pas, pas rien. Euh, par exemple, Licorice Pizza, je crois que c'est une quarantaine, donc euh, c'est quand même 20 millions de plus. Donc je pense qu'on peut le mettre comme dans la deuxième catégorie, c'est pour ça que je parlais de blockbuster, trois blockbusters à la suite. Un peu dans top. ça, de blockbuster d'auteur, <coughs> allez le, le vocabulaire va rentrer dans les mœurs en, en 2023. Oui, alors que everything everywhere all at once on peut vraiment se poser question vu qu'il n'y a que 25 millions de dollars de budget, oui, c'est pas la même chose. C'est de la débrouillardise qui fait que tu as l'impression que c'est un blockbuster. Donc pour moi c'est un des plus beaux de l'année autant visuellement que sur ce qu'il dit sur le cinéma et l'art de raconter. Donc c'est une forme de blockbuster à naïf low cost qui a eu son pendant pété de thunes avec euh, Avatar 2. <laughs> euh, d'ailleurs les films feraient un très beau double programme. Ils sont d'ailleurs réalisés par des cinéastes âgés qui ont euh, commencé à peu oui, près même période. Ouais. ouais dans des genres similaires. De, là, ils faisaient de la SF dystopique et violente, Mad Max d'un côté et les Terminators euh, et la suite d'Alien pour Cameron. Euh, donc on approche euh, cette fois des cinq dernières places et en cinquième j'ai mis euh, Compte du hasard. Et Autre Fantasy de Ryusuke Amaguchi. Un film qui m'a redonné foi envers le, le réalisateur après m'avoir passablement déçu et ennuyé avec Drive My Car l'année dernière. Si vous avez des réclamations à adresser, n'oubliez pas de mentionner Mobizé sur Twitter <laughs> et pas, euh, pas mon compte, s'il vous plaît. Sachant que je me suis fait quand même pas mal embrouiller en début d'année quand j'ai dit que j'avais pas aimé Drive My Car. On m'a dit, mais euh, le film, il était trop bien. Euh... C'est là qu'on a découvert qu'il existait euh, des, des fans des très investis de Ryusuke Amaguchi. Ceci dit, je me méfie quand même un peu parce que euh, savoir que Dream a été ré réalisé après... Euh, 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 pardon, coûte du hasard et, et autres fondée. J'ai le titre en anglais dans ma tête, désolé. <laughs> Euh, et c'est pour ça que le film était à Berlin l'année dernière et euh, l'autre à Cannes. Donc tu aussi. as peur que ça n'ait été, on va dire, qu'un heureux accident euh, dans sa carrière Pas tellement un heureux accident, mais plus euh, genre le dernier bon film qu'il allait faire et après. Il y a oh eu non, sa, ça, ça c'est genre de... Oh non, non. non. <laughs> bon, on coupera pas en montage. Oui. Donc, on retrouve la forme fragmentée, justement, des, des films précédents. Donc, Senses euh, ou euh, Happy Hour pour les, les puristes qui, qui veulent le vrai titre et pas le titre français. Et euh, Asako 1 et 2, euh, donc, dans ce, dans ce film, qui est un film à sketch, il y a trois histoires euh, qui mettent euh, chacune en avant euh, trois femmes différentes. Euh, pour moi, la deuxième, c'est la meilleure avec euh, cette longue séquence, notamment pleine de tensions sexuelles dans un bureau entre un professeur de littérature, qui est d'ailleurs également romancier à succès, euh, et avec son élève. Son et... ancien... elle est ancienne élève, non, dans le... ah, bonne question. Il vrai me semble que, que c'était une ancienne élève parce âgée. Qu ça fait âgée. depuis avril, donc. Je... <laughs> C'est vrai. vrai. Dans, euh... droit, pas On pense beaucoup à Romer. Il y a une grosse importance du, du verbe quand même dans... dans ses films. Il parle beaucoup. Et également, Aung San Suu, euh, au niveau de la mise en scène, surtout euh, presque cité par Amogu Amaguchi, dans leur... Amaguchi est clairement, je trouve, un, un réalisateur, euh, mais ce n'est pas du tout une critique, mais qui est très euh, littéraire, effectivement. La, la, la parole, le verbe, le langage, ce sont des choses qui comptent, pour lui, ça se sent. Ah Non, mais c'est clair, qui... bon, c'était déjà dans Drive My sur euh, les, tous les, les discours différents. D'autant le... plus que ça portait sur le théâtre. Oui, c'est ça. Et, euh, et du coup, il y a une séquence qui cite ostensiblement Hong sang Suu euh, dans, dans un café, dans la, la première histoire, à la fin. Les puristes auront reconnu. Ouais, <laughs> les vrais savent. Euh, où le cinéaste se permet un zoom inouï et inattendu, euh, puis une séquence rêvée avec une chute soudaine qui fait penser à euh, Aewon et les hommes. Tu euh, parles de zoom parce que, bon, c'est euh, une façon de faire de Hong sang Suu qui. Euh, dans ses films, c'est-à-dire il l'utilise comme ça, les zooms. Euh, oui, des tout. zooms très violents et. Euh, ok, ouais. c'est pour pour permettre aux gens qui ne regardent pas de films <laughs> sous de visualiser. Donc, sous fait quoi Il fait des zooms. Euh, ouais, d'un coup, tu sais, genre. Euh, oui, d'un est... coup, enfin euh, des zooms abrupts. Ok. Voilà, okay. c'est abrupt et, euh, et souvent les gens trouvent ça un peu euh... déstabilisant. Ouais, un peu naze. Alors un peu que. Nul. <rire> <rire> alors que c'est une de ses marques de fabrique, ouais. Je continue de grimper au niveau du top, vu que j'ai déjà parlé du cinquième, donc euh, du Batman de Matt Reeves, pour arriver à la quatrième place et aborder le fameux, le fabuleux Pacifiction que Morgane, tu as placé plus haut que moi. Euh, donc, tu pourras le défendre avec plus d'ardeur. Euh, en attendant, pour en parler, je dirais euh, que je manque de superlatif euh, de ce film. On en a pas mal parlé en détail dans l'épisode 7 de harry Caméra. Pacifiction consacre Benoît Magimel, euh, là parmi les meilleurs acteurs du cinéma français à l'heure actuelle. Enfin, je veux dire, il est vraiment bon. Comme le film permet à Albert Serra, qui a fait pas mal d'expérimental lui aussi, d'être plus connu du public euh, au cinéma grâce euh, à des éloges critiques dans la presse euh, assez remarquables et mérités. Le film est souvent euh, fini dans les, les trois premiers, les premières places des, des top euh, presse françaises. Et du coup, de pas mal de cinéphiles, ce qui est tout à fait compréhensible. Ce n'est pas étonnant. Nous. Grâce aux méthodes de travail de Albert Serra, le film parvient à un naturalisme qui est assez puissant. On y croit dur comme fer, quand bien même dans le réel, les choses ne se passent pas comme ça au niveau des politiques en Polynésie française. Il y a des images qui sont bols. Enfin, qui sont bonnes, qui sont fortes dedans, qui sont euh, très belles. Oui, je, je voulais dire bonnes et belles, mais j'ai mélangé entre les deux. C'était intéressant comme ah, assez <rire> <étrange>. <rire> Comme Novlangue. Je, je m'en excuse. <laughs> mais donc, euh, voilà, il y, y a quand même euh, ça qui, qui vaut. Il y a une esthétique euh, qui est fabuleuse. Et en même temps, je, je trouve que c'est un des films politiques les plus pertinents de 2022. Sur ce qu'est la politique, il n'y a, a pas. Pour montrer ça, Albert Serra, il ne fait pas beaucoup euh, d'effets. C'est-à-dire que. Juste, il montre quelqu'un qui est en perpétuelle représentation de lui, qui est dans le public et dans le privé la même personne, euh, parce que de toute façon, il n'a pas d'intérêt, il n'a qu'une personnalité publique, et, et c'est là, je trouve, qu'il saisit toute l'essence de ce qu'est la politique. C'est ça qui est phénoménal dans le film, et c'est marrant parce que enfin, les détracteurs du film ont souvent reproché son, son côté un peu superficiel, le film. Comme, comme si le film se, se prenait un peu dans son jeu euh, des, de, 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 du côté un peu halluciné et que du coup finalement il n'allait pas en profondeur. Mais en fait ce qui est marrant c'est que tout le film c'est sur la, un personnage qui est en représentation tout le temps, qui est totalement dans l'apparence. Et, euh, et du coup, ça donne aussi. Enfin, bah, ça, ça prouve que la politique aujourd'hui, c'est quand même que de l'apparence. quoi. Donc, euh, Pour y a, moi, a a a... c'est pas choquant que Il y a, le film y a vraiment une saveur particulière à Pacifiction parce que je... le film s'y prendrait les pieds dedans si euh, la caméra et la mise en scène provoquaient. De manière forcée, de l'empathie pour euh, le préfet de Roller, donc, euh, qui est incarné par Benoît Magimel euh, en Polynésie française. Euh, mais, mais là, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ne lui ai cherché des excuses, ou à aucun moment, il y a, il y a des effets euh, superficiels qui viennent se rajouter à ça. Ça se contente de montrer ce qu'il est. Alors, il y a quand même... ouais, je suis d'accord ouais. avec toi, mais il y a quand même une forme d'empathie, quand même. Oui, mais personnage. elle est accidentelle, mais elle n'est oui. pas volontaire. C'est pas parce qu'il y a des gros plans. Euh, non, et... elle, est, elle, est, elle est accidentelle parce que De Roller, ce n'est pas qu'il est émouvant, c'est qu'il est spécial. Non. Oui, c'est vrai, il n'est pas émouvant. Et non, comme on il est spécial, il est attachant. C'est ça. Donc, euh, ceux qui nous ont écouté lors de l'épisode 7 sauront déjà à quelle place se situe... Pacifique sur mon top, je l'avais annoncé dès le début de l'épisode. Euh, donc en quatrième, j'ai mis un cinéaste qui a également une manière de tourner particulière qui influe sur l'esthétique de son film. Il s'agit de Days de Tsai Ming Liang. C'est tout bonnement l'un des films les plus radicaux de l'année, car le film n'est pas sous-titré et en plus il est quasi muet. Donc, On façons. rappelle le film Days de Tsai Ming Liang, pas sous-titré pour les quelques passages qui sont en langue étrangère. À la volonté explicite du réalisateur. Voilà, c'est un petit message, un petit carton au début du film. Euh, le scénario, lui, il est quasiment absent et Days, il se compose d'une quarantaine de plans fixes. C'est un film difficile à appréhender mais qui crée son propre langage cinématographique où l'ellipse, le hors-champ et les gestes des acteurs ont une place centrale. Euh, c'est du cinéma de maître, hein, comme je les aime, c'est comme du Happy Chapong, du Hong Sang So. C'est euh... un enfin, cinéma de la, la contemplation. Oui, c'est ça. Qui, qui, qui peut en plus se targuer d'avoir en son sein. Bon, on a longuement parlé des, dans l'épisode précédent. Une des séquences d'érotisme de, de, les plus fulgurantes qu'on ait vues au cinéma, euh, c'est une des plus belles scènes de sexe de l'histoire du cinéma. Hein. C'est euh, cette séquence de massage qui, qui, qui vire au Bien bah, sûr, c'est magnifique. Et pour moi, euh, elle, euh, si tant est que le film sera un peu plus vu euh, dans les mois à venir, peut-être parce que pas beaucoup de salles le, le diffusent, mais peut-être que d'autres le regarderont euh, sur leur téléviseur, sur un ordinateur, etc. Et j'espère que le, dans les mémoires, en fait, cette séquence perdurera. Essayez d'aller le voir. De toute façon, s'il si est distribué par chez vous, vous ne le regretterez pas. On approche du podium. J'ai déjà parlé de mon numéro 3 avec Licoris Pizza. Du numéro 2 avec EO, il ne me reste donc plus que le premier, qui est The Souvenir, la partie 1 de Johanna Hogg. Je ne connaissais pas le travail de cette réalisatrice euh, anglaise euh, avant ce film. Je sais qu'elle travaille beaucoup avec Ed Tilda Swinton. Et ces films qui ne sont pas sortis en France, euh, normalement, ils apparaîtront sur nos écrans, euh, Morgane, en 2023, il me semble. C'est prévu, ouais, en mars, euh, c'est Condor Films qui distribue oui, ses, tous ces mars films. mars ou avril, je, je ne sais plus euh, la date exacte. Et euh, donc euh, en plus de son récent euh, film, le plus récent qui débarquera bientôt aussi chez nous. Oui, il y Eternal D'auteur qui est prévu fin mars du coup. Très bien. Donc, ferme laissez tomber, je ne suis pas joignable. Je fais la, la, la communication de, de Condor Film. <laughs> on, on salue d'ailleurs le distributeur. Donc, pour en revenir à The Souvenir Partie 1, c'est un film qui a fait écho en moi à toute une tradition de la littérature anglaise que j'aime énormément. Euh, ça va forcément vous parler Jane Austen, Virginia Woolf, euh, de qui l'actrice principale, Honor Swinton, possède un air. J'ai trouvé, ça m'a frappé durant tout le film. Honor Swinton, qui est la fille de Tilda Swinton. Exactement. Il fallait préciser. Bien sûr. Les deux noms se ressemblent en oui. même temps. ce euh, bah Souvenir, partient ne parle que de choses vues et revues le drame au sein du couple, les réactions respectives de chacun, euh, l'attitude face aux mensonges. Fin, tout ça, au fond, euh, est très classique. Mais il mais y a des choses qui, qui changent de, de ce qu'on a l'habitude de voir. Il y a un traitement qui est austère, euh, mais pas barbant qui en rajoute une bonne couche sur, on va dire, la morgue générale des personnages qui sont tous finalement euh, assez bourgeois, mais on peut faire quelque chose d'incroyable sur un sujet rebattu. J'estime que c'est le cas ici, avec une sensibilité particulière, accompagnée d'une présence forte de la part des, des acteurs principaux. Euh, bah, la fille de Tilda Swinton, euh, Honor Swinton, donc, euh, et il y a aussi sa mère, Tilda Swinton, qui est dans le film, euh, donc euh, qui est dans le film. Et bon, euh, sa et, mère euh, et à qui la joue vie, sa mère ouais, dans le oui, film, oui, à la vie, à la mort, tout ça et dans la fiction également. Et il y a aussi euh, Tom Burke que, que j'ai trouvé assez génial dans son rôle. Il y a euh, pas mal de subtextes dans ce film, je trouve, dans la manière de réagir d'une famille qui est plutôt aisée, euh, la manière dont elles prennent les choses, comment elles tentent d'y remédier, y compris vis-à-vis euh, -vis des événements qui sont plus dramatiques. Euh, et Joanna Hogg, elle montre tout ça sans jugement, juste avec une, on va dire, une tentative d'être euh, dans euh, le plus de justesse possible. Enfin, moi, j'ai juste hâte de voir euh, sur euh, grand écran la suite de sa production. Enfin, c'est le film, je l'ai vu, je me rappelle. On était allé le voir, c'était au début de l'année, je crois que c'était janvier ou février. Je crois que c'est février. Quelque chose comme ça. Et euh, depuis, je, je ne l'ai jamais oublié. Euh, moi, si, j'ai aimé ce euh, souvenir. Euh, et même davantage la deuxième partie, euh, qui sont sortis simultanément. Et euh, les, les deux films ont fini très près du, du top 10 aussi. Euh, D'ailleurs, je suis content que tu l'aies mis numéro 1. Euh, en plus c'est un film de femme donc c'est bien moi j'ai pas de film de femme un peu honte dans mon top 10 mais <laughs> scandaleux euh, de mon côté euh, bon je vais pas trop m'attarder sur le numéro 1 car tu en as déjà parlé et même très bien puis j'ai aussi participé à la discussion roulement de tambour c'est pas fiction euh, et je vais être vache mais si vous voulez en savoir plus sur votre avis vous pouvez le retrouver dans l'épisode 7 d'Arrêt Caméra euh, mon podium de 2022 se compose de deux autres films critiqués dans le podcast euh, en troisième il y a Juste sous vos yeux donc, Sang-So. Et en deuxième, Nope de Jordan Peele. Ceux qui me connaissent savent que j'ai l'habitude de mettre au moins un hong so tous les ans dans mon top. Alors, pourquoi mets-tu Morgan un hong so tous les ans dans ton top Pourquoi euh, Parce que ces films euh, m'émeut. Euh, <laughs> pour moi, c'est le plus grand cinéaste actuel, en fait. Donc, euh, il, on peut dire que je suis un fanboy, mais euh, je trouve que tous ces films ont toujours un truc différent. Si, et, et je suis toujours passionné. Je, enfin, voilà, comment tu veux que j'explique différemment autrement Non, c'est bien, c'est plus important d'être <laughs> passionné. Je, je dis ça sans euh, humour ni cynisme. Disons qu'il a pas fait de mauvais films en fait, et tous ces films, je les trouve géniaux en fait. Il euh, y en a qui sont mieux que les autres, il y en a qui sont moins bien que les autres, mais euh, voilà, ça aussi, souvent entre le 7 et le 9. Tu pourrais défendre tous Genre les 10. films de Hong Sanxo sans problème. Tu euh, aurais des arguments pour le faire. Lequel Enfin, si j'aurais des arguments quand même pour le défendre, mais c'est quand même le moins bien Alors, potentiellement. Euh, c'est le seul film qui mérite 4-5. Lequel Je veux euh, savoir. La... Tout le monde veut savoir. La France. La, veut la caméra lequel. de Claire avec euh, Isabelle ah, Duper. D'accord. Sorti quelle année à peu euh, près Je crois que c'était 2017. Je l'ai eu à Cannes. Ok. Qui se passe à Cannes d'ailleurs. Enfin, il a tourné pour le Festival de Cannes. Donc euh, revenons à, à juste sous vos yeux. Euh, pourquoi je l'ai mis devant euh, Introduction qui est aussi sortie cette année, c'est parce que euh, elle marque une, un retour à une forme plus simple chez Hong Sang-soo, moins elliptique, euh, un truc plus, plus classique en fait. Mais euh, le film est, est comme un mélo qui se cache pendant tout le film derrière euh, une journée en apparence banale d'une cinquantenaire qui revient en Corée après un exil aux États-Unis. Elle est jouée par Lee ye young qui est une actrice assez connue dans les années 90-2000. Du coup, il y a le le réel, qui parce qu'en fait euh, le personnage est une ancienne actrice euh, connue aussi. Euh, enfin, tout se mêle. Le, le réel oui, tu veux se dire mêle. dire que la, euh, fiction la fiction se cogne au réel pour faire une phrase qui enfonce des portes. <laughs> oui, mais c'est toujours comme ça chez Hong soo Donc euh, bien, euh, sûr, voilà. bien sûr, Et donc elle est merveilleuse dans ce rôle principal et, et donc comme souvent chez Hong soo il y a des scènes qu'on ne voit nulle part ailleurs avec une franchise, une audace désarmante. Euh, la scène où elle dit à l'autre qu'elle veut coucher avec lui, enfin euh, il y a une franchise hein, qu'on qu voit pas ailleurs. Quoi. Je, je trouve que c'est très beau. Et, euh, et donc, c'est encore une fois un film de maître, euh, de la mise en scène, conçu avec euh, très très peu de plans, limite moins que Days, je crois qu'il y en a une, à limite une trentaine, et très peu de moyens. Euh, et donc, pour Nope, euh, je ne vais pas m'éterniser non plus, on en a beaucoup parlé, je crois que c'est le, le film dont on a plus parlé, il, a, il doit y avoir 18 ou 20 minutes dessus dans le, le deuxième épisode d'Arrêt de, Caméra. dire que c'est sur un film que je n'avais pas apprécié. Oui, bah, c'est pour ça que ça a duré longtemps, c'était une discussion très animée alors que moi j'adorais euh, je ne vais donc pas euh, m'éterniser dessus mais euh, pour moi c'est enfin le grand film tant attendu de Jordan Peele un idéal de film de genre s'acoquinant avec le blockbuster il y a des visions sidérantes d'effroi, euh, des ciels et des nuits stupéfiantes que, dont je rêve encore la nuit et euh, des mises en scène enfin une mise en scène en tout cas aux petits oignons mais du coup c'est un blockbuster ou pas non bah en vrai on pourrait dire que c'est un blockbuster le film il a, il a quand il même a coûté, coûté 70 millions je crois qu'il a coûté ah, 70 plus cher millions que, euh... quand même je ouais. pensais pas que c'était autant oui, c'est ça, ouais, c est, c est quand même un, il y a quand même de gros moyens. Et euh, Pile confirme qu'il est l'héritier d'Hitchcock euh, et de Spielberg. Enfin, c'est génial. On a terminé notre rétrospective des films de l'année 2022. On abordera en 2023 euh, l'année 2023 pour donner le change euh, à ceux qu'on attend le plus euh, dans les promesses cinématographiques euh, à venir. On va pas en dire plus. D'ici là, il reste quelques films de 2022 dont on veut encore parler avec Morgan et pas des moindres, il y a Avatar 2, La Voix de l'eau de James Cameron, Corsage de Mary Kreutzer et Godland de Ilnur Palmason. Elle était très attendue, la voilà enfin, la suite du plus gros succès de l'histoire du cinéma, Avatar, La Voix de l'eau ou Avatar 2. De James Cameron. C'est le plus gros succès de l'histoire du cinéma, le Avatar 1 Alors, en argent en nombre d'entrées euh, comparé à l'inflation du dollar, co comment c'est calculé ça Arrête, on dirait les gens sur Twitter. Qui... <laughs> euh, je pense que c'est en argent. Ouais. <laughs> D'accord. Euh, donc avec un budget situé entre 350 et 400 millions de dollars, on ne sait pas encore exactement le budget. Il s'agit ni plus ni moins du deuxième film le plus cher de l'histoire du cinéma. Et non, le premier, c'est Pirates des Caraïbes et la Fontaine de Jouvence, un film que vous avez oublié, comme Julie et moi. C'est vrai, mais <laughs> je crois que je l'ai même pas vu. Euh, je crois que c'est avec euh, Penelope Cruz. Ah oui, donc celui-ci, je ne l'ai pas vu. Complètement nul, c'est le quatrième. Euh, Disney, qui a racheté la Fox, a d'ailleurs fixé la barre très haute. Avatars 2, pardon, se doit de ra rapporter au moins 2 milliards de dollars au box-office mondial. Oui, ils ne mettront pas en route euh, Avatar 4 et 5. Oui, Alors, que... attends, de 400 millions, disons maximum, 400 millions de dollars de financement pour Avatar 2, qui rapporterait euh, 2 milliards de dollars, en vrai, c'est un produit super rentable. Oui, mais euh, tu comprends qu'il euh, faut faire des gros bénéfices, donc... Euh... Bien sûr, bien Puis il y a aussi la, euh, le budget marketing qu'on ne connaît pas. J'ai envie d'exiger la même chose auprès de mon banquier. <laughs> et donc oui, le 3 est déjà tourné et le film sortira en décembre 2024. Donc le 3, il sortira sûr. C'est le 4 et le 5 pour lequel c'est certain. Oui, parce qu'il a, déjà... ouais, a déjà tourné le 2 et le 3 ensemble, en fait, euh, il y a quelques années. Et là, il est en train de monter... Euh... Effectivement, c'est plus rentable. Euh, donc Julie, tu peux nous situer l'histoire de ce deuxième opus d'Avatar, s'il te plaît oui, donc euh, pour Avatar 2, La Voix de l'eau, environ dix ans après les événements du premier Avatar, nous retrouvons Jake Sully avec sa famille, sa compagne Neytiri et leurs enfants, en exil puisque Jake Sully est toujours pourchassé par le colonel Miles Quaritch sous une forme peu particulière. Dans une autre contrée, toujours sur Pandora, cette fois aquatique, la famille de Sully va s'adapter tant bien que mal en espérant échapper à ses poursuivants on va préciser euh, sous quel dispositif nous avons vu avatar parce que ça me semble important d'en parler euh, en 3D IMAX et en HFR. Donc HFR c'est pour euh, high frame rate, ce qui veut dire euh, augmentation du défilement euh, de l'image qui est euh, traditionnellement pardon, traditionnellement à 24 images par seconde, soit la vitesse du défilement de la pellicule. Le numérique permet lui d'augmenter considérablement ce défilement et avatar 2 comme le premier épisode, a été tourné avec des cam caméras optimisées pour la HFR. Et pour ce film-là, Cameron a alterné pour ne pas choquer le public, parce qu'effectivement, les films qui sont tournés entre 48 images par seconde et 120 images par seconde, parce que ça existe, il y en a eu, euh, euh, en termes d'images, c'est violent, on n'est pas habitué à ce genre de... de c'est violent, alors euh, disons concrètement en quoi c'est violent. C'est violent Morgan, parce que ça va vite Oui, enfin, c'est à une, une fluidité qui est... Euh, qui, qui, qui est... Qui... Très forte. Oui, qui, on n'est pas habitué, parce qu'en fait, le, nous, on est habitué depuis longtemps à avoir des images à 24 images par seconde, et le public mmh. n'est pas encore habitué à ça. C'est vraiment un, une c question d'habitude. Mmh. C'est comme la 3D en soi. On a, Bien On va voir un film en 3D, mais on va pas en voir 30, 36 sur. Oui. Enfin, la plupart sont moches aussi, donc ce n'est pas un bon argument. <laughs> ça à faire joue valoir. Oui. Donc, du coup, il a alterné entre des, des séquences en 24 images par seconde et d'autres, donc plus dynamiques, souvent les scènes d'action, en 48 images par seconde. Tous les projecteurs de France et de Navarre ne sont pas équipés en HFR, mais si vous avez l'opportunité et les moyens de voir le film à la fois en 3D et en HFR, bah on ne peut que vous le conseiller. Toutefois, si vous ne pouvez pas, ça n'enlèvera rien aux qualités intrinsèques du film, car il reste beau et impressionnant. D'autant plus que pour la HFR, euh, ce ne sont pas des informations évidentes à trouver. Euh, côté UGC, par exemple, euh, on sait qu'ils ont communiqué sur le sujet, je crois que c'était... Pour euh, la ressortie de Avatar 1, version restaurée, je suppose que ça a été la même chose pour Avatar 2, la Voix de l'eau. Oui. Côté pâté, euh, pas forcément, mais euh, il me semble bien que la plupart euh, des multiplex pâtés sont équipés en HFR et les autres cinémas euh, multiplex euh, j'en sais pas plus. En tout cas, on vous conseille de vous renseigner avant d'aller voir le, le film si vous voulez le voir en, en HFR. Oui, parce que mais encore une fois, c'est pas du tout évident à trouver. Enfin, autant la 3D ça parle à tout le monde euh, et Cameron avec ses avatars le 1 comme le 2 fait un peu office de dernier des Mohicans à avoir de l'appétence pour cette technologie. Autant le HFR, c'est la technologie dont on parle de plus en plus, mais presque personne ne sait ce que c'est, comment ça se traduit et visuellement quelles sont les différences concrètes avec le 24 images par seconde classique. Quelque part, c'est aussi ce qui fait du film Avatar 2 à un film tourné vers le futur, cette volonté absolue de mettre dedans des technologies nouvelles en matière d'image. Pour ce qui est de l'histoire en elle-même et de sa narration, on est plus sur du classique, ce qui n'est pas d'ailleurs une critique de ma part. Le film, concrètement, il parle de quoi Il parle de la famille, il parle de sa gestion, de l'exil, de la cohésion sociale au sein d'un groupe social, du rejet, de l'adolescence, bref, des thématiques qu'on connaît déjà. Après, euh, il le fait plutôt bien. Oui, et puis pour revenir sur la. Désolé pour la, la HFR, euh, elle n'attire personne, parce que, elle, par exemple, elle a été critiquée à l'époque de, de au Hobbit, ou alors elle a été complètement snobée pour ce qui est des films de Hongli qui ont fait un bide, hein, je pense à. Euh... Jimmy euh... minimum Ouais, et dans la, dans la de, de oui, et euh, un jour dans la vie de Billy Lynn. Oui, alors un jour dans la vie de Billy Lynn, c'était sympathique. J'ai Miniman, je, je comprends que ça a été euh, snobé, plus angli, il faut le dire, euh, et plus euh, spécialement à la mode. Quoi. Oui, non, bien sûr, oui. Même si moi, j'adore euh, Billy Lynn, mais oui, je suis d'accord avec toi. Euh, donc, Avatar 2 risque de, de, de te rappeler ce qu'on... Enfin, de te nommer un, un game changer pour la HFR, donc ça veut dire que c'est un film qui va... Euh, Changer la donne, je pense. Un oui, peu comme qui ça. va ouvrir la voie à, à d'autres films qui pourraient euh, peut-être plus facilement se lancer là-dedans oui. si le film marche très bien. Et en l'occurrence, il marche très bien. Comme ça a été le cas pour le 1 avec la 3D, même si on, bah, finalement ça a, ça a été. Euh... Ça a fini par s'essouffler. Oui, on le sait pourquoi, parce que euh, finalement euh, les films ont ont utilisé après euh, à tort et à travers euh, comme une sorte d'argument en fait marketing pour, pour vendre des bien films. Bien sûr, bah, disons qu'il y a quand même une différence entre euh, une 3D qui apporte quelque chose à un film. Et euh, une 3D qui, euh, j'ai envie de le dire euh, un peu facilement, ne sert qu'à faire cracher un peu plus aux spectateurs de l'argent euh, en salle de cinéma. C'est ça. Et donc le succès d'Avatar 2, tel qu'il se construit actuellement, parce qu'il est déjà à 600 millions de dollars de recettes mondiales. Euh, et ça augmente au fur et à mesure que nous parlons. Voilà, on, on parle toutes les secondes et il <laughs> y a des sons qui, qui vont dans les poches de Disney, euh, va, va peut-être relancer une mode de la 3D, on, qui sait euh, donc pour ce qui est du reste on sent que tout le, le matériau scénaristique du film est effectivement dévoué à la débauche technologique Je trouve que le, 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 le qualificatif de débauche technologique est vraiment vraiment approprié à Complètement Avatar Et c'est pas négatif quand on dit ça euh, L'idée d'Avatar 2 comme le premier c'est comme tu l'as dit de raconter une histoire classique On a l'impression d'avoir déjà vu, lu ou déjà entendu avec des, des moyens qui pour, pour le coup eux sont euh, du jamais vu C'est révolutionnaire on pourrait rétorquer que c'est de la paresse. Pourtant, le film déboîte des moments de, de bravoure inouï. Hein. On, on en sort complètement, euh, enfin, on a l'impression d'avoir jamais eu ça. Le monde déployé devant nos yeux n'a pas son pareil et émotionnellement, le film fonctionne à plein régime. L'émotion, d'ailleurs, c'est ce qui est au cœur du film. Il se ressentent sur la famille de Jake et thierry comme tu l'as dit. Avatar 2 prend donc du temps, peut-être trop, hein, il dure trois heures et quart, à développer son récit choral autour de chacun de ses membres, et de nous introduire les différents enfants, ce qui est louable. Euh, D'habitude, il y a toujours des, dans les films des personnages qui sont un peu mis de côté dans les... Oui, là, c'est relativement euh, Chacun a son et, moment et de égalisé. Ouais, c'est bien, pourquoi pas. Hein. Même la petite, la dernière, euh, bien sûr. très bah, mignonne. Il a 3 il a heures et 15, Cameron, euh, <laughs> il peut se le permettre. Enfin, je préfère qu'il fasse ses choses de manière équilibrée, quitte à mettre l'accent sur l'émotion, euh, plutôt qu'en donner trop à l'un et pas assez à l'autre. C'est ça, et même le, le personnage qui, pour moi, je trouve qu'il a été injustement moqué. Euh, euh, celui qui s'appelle Spider. Qui subit... on, a, on a vraiment vu pire que Mais Spider oui. en matière euh, d'enfants euh, acteurs, de, de personnages enfants dans les années 80-90 voilà je veux dire, là il y a quand même un effort c'est un petit peu exagéré et puis on revoyait Hook de Spielberg euh, les, les enfants sont insupportables, je, je comprends pas les gens euh, qui, <laughs> qui, 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 qui crachent sur le personnage de Spider euh, qui pour moi bah, je pense que c'est surtout un délit de faciès parce qu'il a <laughs> ça a rasta blanc Alors, on a <laughs> envie de lui mettre des, des baffes c'est vrai qu'en 2022 un rasta blanc avec des dreads blondes c'est pas évident, il hein. faut, faut vraiment être mais c'est ses limites subversives. Bon et en même temps, euh, je comprends les les, les navis sont des rastans, en fait. Donc, euh, bah, c'est vrai, ils ont tous des dreadlocks et tout. Donc, bien euh, sûr. Donc, ils vont ressembler aux navis. Bah, et il, a, il, a, il, a, il adopte leur code Il fait code de l'appropriation culturelle. En fait. Oui, c'est bien sûr. Mais euh, après, c'est un enfant. Enfin, je veux oui. dire, il, il est intégré, il fait partie de d'une famille. Bon, bah, ils vont pas le coiffer différemment des autres. Déjà qu'il est différent. Exactement. En soi, pourquoi en faire quelque chose de différent? Et puis, tout son développement, son rapprochement avec euh, l'antagoniste du film, qui est donc son père, ça en fait un personnage justement plus intéressant que ce qu'on pourrait croire, et ça rapproche un peu de Luke Skywalker avec sa vrai. relation avec ouais. Drivador. Euh, donc c'est, et même, enfin, j'y pense aussi, euh, ce, en écrivant le, le script, euh, ça fait penser à, à Kylo Ren aussi un peu, euh, tu sais, on, on, on l'a beaucoup critiqué, Kylo Ren et tout, mais pourtant, euh, je dis ça parce que je sens que dans le 3, le personnage risque d'évoluer un peu comme Kylo Ren, tu vois ce que ouais, Moi, Kylo Ren, je trouvais que c'était... Euh, bon, le personnage, vers la, la fin de son exploitation, on va dire, j'ai trouvé que on en avait fait un peu n'importe quoi, mais l'idée de base n'était pas nulle pour autant, quoi. Exactement. On sait efficace, Avatar, et ça permet d'apporter des nuances à une histoire simple, mais bien écrite. Bah oui, comme je le disais, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de gens injustes avec Spider. Enfin, il y a quand même un côté débrouillard chez lui. Euh, alors que la famille Sully l'a adopté, euh, qui, qui est vraiment touchant. Enfin, il a une tête qui est bien faite, son personnage il peut être surprenant. Euh, on a vu vraiment pire, euh, loin de là. C'est aussi à l'image du film, je dirais qu'il n'y a aucun personnage, aucun déploiement du scénario de Avatar 2, La Voix de l'eau, ou aucune image qui soit vraiment honteuse ou totalement ratée. Euh, Avatar 2 se tient bien, il y a des scènes ébouriffantes, Peut-être même plus que dans le premier. J'ai trouvé ça plus marquant que le premier. J'ai ouais, le, le préféré le 2. T'as préféré le 2 au oui. premier bah, Moi aussi, en vrai. D'ailleurs, le premier, je l'avais vu jeune euh, au cinéma. Je me rappelle que à l'époque, la 3D, ça m'avait fait quelque chose, enfin, comme, comme à tout le monde, je suppose. J'avais réessayé avec d'autres films ensuite. Enfin, ce n'était pas pareil, pas aussi bien. Et c'est probablement pour ça que, comme on, on l'avait dit, ce dispositif est tombé un peu en désuétude par la suite. Mais je mentirais si je, dirais que, euh, si je disais pardon, que Avatar 1, euh, je me rappelais de son histoire, c'est pas vrai, je, je l'ai oublié. J'ai d'ailleurs dû de revoir, bah, avec toi Morgan, on est allé revoir euh, le premier Avatar euh, en version restaurée avant d'aller voir le 2. Et on a constaté au passage que malgré toutes les critiques euh, qu'on peut faire à cette euh, saga, je pense que désormais on peut parler de saga, euh, le 1 déjà a très bien vieilli. Euh, et je considère que le fait qu'un film vieillisse bien, ce n'est pas forcément la marque des grands films, mais c'est au moins la marque des bons films. Et euh, sur la même lancée, je prédis que Avatar 2, La Voix de l'eau, en plus de potentiellement inspirer d'autres films côté HFR, va sûrement très bien vieillir aussi. Enfin, ce n'est pas compliqué, je veux dire, un film qui commence à employer des technologies euh, qui sont encore peu usitées, qui le fait bien. Et qui en même temps est vu par beaucoup de monde, bah dans la tête de, de chaque personne, de chaque spectateur, oui, je pense encore une fois que ça va laisser un souvenir qui ne sera pas si périssable que ça. Tu veux dire que ça va laisser une trace dans la pop culture Oui, je pense que ce débat peut être tranché. Avatar <laughs> va laisser une trace dans la pop culture. D'ailleurs, euh, je voulais aussi ajouter euh, une aparté. Il, il me semble que les salles de cinéma côté euh, Gaumont-Paté et d'autres multiplex sont sur euh, la voie du euh, premium. Enfin, disons, aller euh, en abus de langage, de la premiumisation. Et donc, on va dire premium euh, quoi bah, des sièges plus larges, plus confortables, dont des rangées plus espacées. Mais le premium en salle, ce pas que ça C'est n'est pas que le confort euh, du siège euh, plus large. C'est aussi la technologie avancée à l'écran. un écran plus lumineux, le son, etc. Et le HFR, ça s'intègre complètement là-dedans. C'est quand même un sacré argument de vente. Malheureusement, souvent avancé pour faire payer plus cher. Enfin, quand même, un avatar 2, la voie de l'eau. Pour rappel, euh, à Paris, on va dire, un écran euh, HFR IMAX et 3D, sans les lunettes, donc avec les lunettes en plus, <laughs> c'est 26 euros. Enfin, quand même mais les gens, euh, ils vont le payer pour le voir à cause de la promesse de grands spectacles. Enfin, j'en suis personnellement convaincu. Et encore une fois, c'est ce que les chiffres à l'heure actuelle au box-office français sont en train de prouver. Ah, le film cartonne, mieux que le 1 de sa première semaine. Donc, en allant du côté de la, de la famille et, et de l'émerveillement, je trouve que Avatar marche dans les pas du cinéma de Steven Spielberg. On retrouve d'ailleurs l'idée d'une famille dysfonctionnelle et recomposée. Euh, c'est est vrai, c'est les mêmes thématiques, globalement. Qui est souvent ouais, utilisé chez Spielberg, oui, c'est ça. Euh, déjà, Jake et Nate Thierry, bah, eux, ils ne sont pas de la même race. C'était le principe du premier film. Et, et de fait, leurs enfants, euh, leurs enfants sont des métisses. Ils ont des mains d'humains. On leur rappelle souvent, d'ailleurs, quand ils arrivent dans la Nouvelle Tribu, on, on se moque d'eux parce qu'ils ont des, des mains d'humains. C'est vrai qu'ils affrontent les mêmes problèmes, les. Euh... La progéniture de Jake et Nertiri dans Avatar 2, euh, que ce que des métisses sont susceptibles de vivre euh, au quotidien, euh, dans le réel. Et parmi ces, ces enfants, il y a les... Et certes, les, les trois enfants du couple, donc euh, biologiquement, euh, Nettayem, euh, Loak et Tuck, mais il y a aussi Kiri qui est en fait née mystérieusement de l'avatar du personnage de, de Grace joué je par Sigourney Weaver. Affreuse, mais dès qu'ils ont dit Kiri et à chaque fois qu'ils ont dit Kiri pendant <laughs> une heure, oui, je sais, j'ai pensé au fromage, j'ai très honte, mais, mais c'est comme ça. <laughs> Alors t'es vache, vache <laughs> Kiri. Bon, non, pardon. non, allez, stop, on reprend. James Cameron a d'ailleurs fait le choix euh, à, à la fois beau et étrange de la faire doubler par l'actrice de 73 ans. C'est vraiment bizarre. Enfin, ça je me suis dit, à la fin du film, parce que j'étais pas sûr, est-ce que, que c'est la voix ça donne de Sigourney Weaver une drôle de, de maturité au personnage de Kiri, justement. Ça donne un côté fascinant, en fait. Euh, moi, je l'aime beaucoup, le personnage. Et, euh, et ensuite, donc, Spider, l'enfant humain qu'ils qu ils ont recueilli. Qui, qui est vraiment un enfant, lui. Oui, Il voilà, un caché. Avatar 2 prolonge la veine mystico-écolo du, du premier et va même plus loin avec euh, l'introduction des Tulkun, <laughs> ces sortes de baleines énormes qui vivent en symbiose avec les, les navis euh, des îles. J'ai plus le nom. Euh, J'avais tu... noté euh, le, le nom de la tribu, je vais essayer de te le retrouver. mais <laughs> euh, pas grave voilà, C'est la tribu Metkaïna. -met voilà. Je, je, je l'ai sûrement pas bien prononcé. Non mais c'est très bien. Euh, donc les, les, les tulkuns sont, sont chassés par les colons, euh, les colons c'est les, les humains, ce euh, qui, qui fait inévitablement écho à la, à la chasse aux baleines qui a toujours lieu dans certains pays, notamment au Japon. Au passage, Morgane, il faut aussi dire que euh, du avatar 1 au avatar 2, les êtres humains n'ont plus aucune excuse. C'est littéralement tous des pourris. Alors des pourris, on va dire, plus ou moins proportionnellement pourris, mais enfin il n'y en a pas un pour sauver l'autre. C'est le grand capitalisme euh, qui s'acoquine avec les militaires, ouais, ça c'est... Euh, c'est ça. Ce qui, historiquement, euh, est au passage très juste. Tout à fait. Et, euh, et donc, euh, plus, goma, plus, plus gobla, pardon, globalement, toute la vision de la nature dans, dans un sens divin m'a rappelé le, le cinéma de Terence Malick, qui, rappelons-le d'ailleurs, avait aussi réalisé une adaptation de la vie de Pocahontas avec Le Nouveau Monde. Je dis aussi parce que le premier Avatar... Euh, et tout sensiblement une adaptation du même récit, d'ailleurs James Cameron l'a avoué. Euh, c'est un peu comme ça, à l'envers avec l'homme qui va avoir une femme, enfin c'est pas l'inverse. Exactement. Quoi. Euh, et Avatar 2, c'est un peu euh, Tree of Life, version euh, blockbuster en fait. Mais mali qui est aussi traditionnelle dans euh, sa vision de la famille, enfin euh, Tree of Life euh, en est le parfait exemple. Dans Avatar 2, il y a quelque chose d'un peu particulier, j'ai trouvé, avec d'un côté, bah, pas mal de traditionnalisme et d'un autre, euh, des choses euh, relativement nouvelles, ou, ou disons euh, euh, très dans euh, l'humeur de l'époque, très actuelle. La famille, elle est clairement dans la première catégorie, comme tu en as parlé, Morgan. Et Spielberg, c'est pareil, c'est, on va dire, la famille traditionnelle, quand même, elle a des fonds nouvelles, mais ça reste une vision traditionnelle de, de la famille. Là, c'est une famille euh, dont les membres sont à la fois les héritiers directs et les héritiers euh, choisis, pour prendre le cas de Kiri et de Spider. La médecine aussi, elle est vue dans un versant très ancien, presque ridicule. Quand Kiri est au plus mal et euh, allongé euh, dans l'attente, plutôt que d'écouter, euh, euh, on va dire, euh, la médecine moderne apportée par les êtres humains, on en appelle à la tradition euh, navie avec euh, euh, tous ses propos incantatoires hein, et son mysticisme. Et de notre côté, par exemple, il y a euh, Ronal, la, la femme euh, du chef des navis de euh, la tribu Metkayina, euh, qui est doublée par euh, Kate Winslet. Tout à fait, euh, qui rejoue chez Cameron après Titanic. C'est vrai. Et euh, donc c'est la tribu ceux qui vivent dans le monde aquatique. Et Ronald part au combat euh, enceinte, euh, ce qu'on voit pas forcément dans euh, des films euh, grand public comme ça, de grands spectacles. Enfin, toujours sur le plan de la nouveauté, Cameron, en tête de gondole du cinéma américain, n'hésite plus à montrer du sang, des bras coupés. Euh, on a abandonné, le, on, va, on va dire, le masquage des affres de la guerre. On n'épargne plus aux spectateurs les dégâts que ça fait, les conséquences dramatiques que ça a, comme le faisait Marvel. C'est vrai qu'on retrouve une violence que les majors avaient peu à peu gommée du cinéma populaire, et notamment, donc, tu disais, les, les productions Marvel. On sent là toute l'influence des, des premiers films de Cameron, réalisés dans les années 80 et qui étaient des séries B euh, souvent gore et violente. Euh, Terminator, limite du body horror, hein, et, et le Bien corps du, du Terminator qui, qui se détruit au fur et à mesure du film. Euh, on n'ira pas dire que Avatar 2 est un film gore, mais Cameron n'hésite pas à montrer des corps rempalés, meurtris, déchiquetés ou criblés de balles. Et avec les films de super-héros, on avait un peu perdu de vue ce cinéma à auteur d'homme. Justement, on passait notre temps à voir des films se faisant s'affronter des dieux ou des demi-dieux qui mouraient rarement, ou ils étaient vaguement blessés. Et quand ils l'étaient, on bah, on voyait pas de sang. Je pense notamment au dernier Spider-Man où euh, ils sont... il y a un... mon personnage qui est blessé, euh, il... Il, est pas... il, est... il est pas, blessé en fait. Enfin, Mais il... on l'a tout simplement vu. Je me rappelle et j'avais trouvé ça quasi choquant dans le, le Black Panther Wakanda Forever. Où, euh, voilà, il y avait des batailles, des coups de couteau, mais absolument rien qui coulait. Enfin, je veux dire, bon, on n'y croit pas trop, quoi. Et, oui. et surtout, ça a évacué le, les êtres humains de l'équation, autant dans le fait que c'était des demi-dieux, et puis les personnages, enfin, les, 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 les êtres humains, les, les gens normaux, ils étaient relégués au second plan. Avatar 2, euh, <laughs> la voix de l'eau, a beau être un, un fier représentant d'un cinéma virtuel bardé d'effets spéciaux numériques, il remet concrètement au premier plan des récits humains et la mort redevient un enjeu, ce qui participe de la puissance émotionnelle du film. Et quand un des personnages principaux meurt dans la fin, dans le film, on ne peut être qu'ému. La mort, mais euh... enfin, je veux dire, le, le film Avatar 2, effectivement, il remet la, la mort au centre avec euh, tout ce, ce qu'elle entraîne. Mais euh, c'est aussi, j'ai trouvé, un, un film sur le, le poids des, des règles sociales et, et, de, la, et de la norme. Je n'ai pas vu grand monde aborder cette thématique là dans, dans Avatar 2 et euh, par extension les solutions euh, apportées par euh, James Cameron euh, à ça. Mais mine de rien, dans le film, ce euh, poids-ci, ce poids, ce poids des, de, de la norme, je trouve qu'il devient plus fort que dans le premier, dans lequel, quelque part, Jake Sully, dans le premier, il, est donc, il, il était un personnage bien plus libre qu'il ne l'est dans La voie de l'eau, où euh, son rôle de chef de famille et ses craintes pour la survie euh, de son groupe lui fait systématiquement aller dans la direction de ce qui est attendu dans la direction de la tradition. C'est parce qu'il devient père en fait dans le film concrètement et du coup il se, enfin dans sa manière d'élever les enfants, il... il suit un, il suit un, un schéma très précis, très américain mais, au fond. Euh, Cameron fait des enfants, des, des héritiers euh, à la fois de lit et y compris de la tribu. Euh, euh, des euh, navires euh, aquatiques, on va les appeler comme ça euh, par facilité, euh, <laughs> des individus qui sont prêts à s'affranchir du poids de leurs parents sans que ça fonctionne toujours. Parfois, ça fonctionne même de absolument pas et c'est dramatique. Mais ça finit quand même par payer, à tel point qu'ils en viennent euh, à être eux-mêmes les sauveurs de leurs aînés, malgré leurs imperfections criantes à ces aînés. Par exemple, Jake Sully a des mots qui sont très durs pour son cadet. Bah en fait, le film c'est marrant parce que euh, tout le film euh, le père essaie de, de remettre sa famille euh, euh, via des, des, des moyens traditionnels dans, dans le fait, bon sens. Jake Sony, Morgan, il essaie de les, je trouve, de les euh, contrôler. Il, les, il cherche à les contrôler à outrance, mais, mais ça marche pas. Ça lui échappe tout le temps. Il y a toutes les, euh, on va dire, dix minutes du film, un de ses enfants fait une chose qu'il n'avait pas prévu, Jake Sony. C'est ça. Et en fait, euh, à la fin, bah, la, la famille re renaît parce que chaque personnage est pris tel qu'il est dans son individualité, et ça c'est beau. Ces, ces règles, ce passage donc à la famille comme refuge finalement absolu remplacent totalement l'histoire d'amour entre, entre Jake Sully et Neytiri, et c'est peut-être mon seul regret vis-à-vis -vis de Avatar 2, sans que j'estime que ce soit un défaut en particulier. Mais voilà, il y a un transfert de l'amour, on va dire au sens le plus romantique du thème, de l'amour charnel à l'amour filial. Pour autant, les plus de trois heures de Avatar la voix de l'eau permettent de prendre son temps euh, à Cameron euh, dans l'exploration des liens qui existent entre chaque personnage. Il est aidé pour ça par un cadre qui est époustouflant, dont pas mal, pour le coup, de ça ont déjà parlé, sur lequel on va en rajouter une couche. Ceux qui nous écoutent euh, depuis le début à caméra savent qu'avec Morgan, on s'est souvent plaint euh, dans le podcast que les scènes sous l'eau, c'était globalement les fauchées et ratées. Là, c'est complètement l'opposé chez Cameron. Ah, C'est vrai qu'on était sortis déprimés des scènes aquatiques de Black Panther Wakanda Forever. D'ailleurs, la, la sortie rapprochée des deux films est, est curieuse. Hein. Les deux partagent euh, donc un cadre marin. Et on a également une longue séquence de découverte des rites et des coutumes d'une tribu aquatique dans, dans chacun des films. Mais à différence de Black Panther, Avatar n'en fait pas une séquence euh, que je trouve gadget, c'est-à-dire euh, totalement inutile, et réduite à un clip musical avec une musique pop en fond. Euh. C'est vrai que quand on compare Black Panther Wakanda Forever et Avatar 2 La Voie de l'eau, quand on compare précisément les scènes aquatiques, enfin je devrais dire les scènes subaquatiques euh, dans Black Panther Wakanda Forever, c'est limite la honte. Tellement c'était pas beau quoi. Ben, on a l'impression de, de voir deux films qui sont pas de la même époque quoi c'est ça et euh, alors qu'ils sortent à deux mois d'écart et qu'ils ont finalement budget pas si éloigné que ça c'est vraiment une question de savoir-faire et de mise en scène au final mmh. et de t'en laisser aux techniciens aussi pour faire un film enfin je veux dire Avatar 2 ça a pris quoi combien de temps ah, de... des années hein. oui, on... <laughs> tu... enfin, je sais oui, pas est... depuis quand il est, il est parti en tournage mais je crois que c'est milieu des années 2010 enfin 2016-2017 et euh, on est en 2022, donc au moins 5-6 ans. Tiens, ça me rappelle une anecdote que j'ai lue sur Twitter et que tu as vu, toi aussi, Morgan, qui disait qu'une actrice de Avatar 2 était étonnée de voir le film sortir parce qu'elle croyait qu'il était sorti il y a pas mal d'années oui. et qu'il euh, était passé complètement inaperçu. Ouais, et c'était pas avait un bidé. petit rôle. Hein. <laughs> non, c'est la, euh, la capitaine il... qui appelle euh, euh, bah, euh, un alors, des méchants. Euh... De... C'était pas, la, la, de mémoire, la, la fille euh, de... Des chefs de la tribu aquatique Non. Je croyais pas. Non, non, c'est celle qui fait le, le commandant, euh, qui fait appel à, à Quaritch. Ah oui, très bien. Qui les accueille tous tout début. Ah oui, ça y est, je vois qui c'est, très bien. L'actrice qui a fait de la série, j'ai plus son nom. Euh, et donc, euh, on était peinés de voir euh, des acteurs... Euh, dans Black Panther, parler devant un écran, euh, on a l'impression que c'était <laughs> des, 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 des speakers et des speakerines oui. euh, de, de bulletins là, météo. là, pour le coup, on a vraiment l'impression que son argent est volé. Oui, c'est ça. Alors qu'Avatar, lui, redonne une matérialité unique à l'eau. Il y a notamment une scène dingue où Loa rencontre un Tulkun. La caméra, elle est comme embarqué, euh, c'est-à-dire euh, quasiment euh, on a l'impression que c'est euh, documentaire. On, on sort, on plonge dans l'eau, on... enfin parce que le truc tout le ne bouge et ça fait bouger la caméra. Et on sent que James Cameron s'est fait énormément plaisir avec ça. Enfin, il en est fier, il a raison. C'est ça. Et on a l'impression d'hyper réalisme comme euh, jamais vu dans un blockbuster numérique. Tu avais d'ailleurs Morgan euh, comparé quand on était sorti du, du film Avatar euh, de la voix de l'eau, euh, James Cameron quelque part euh, euh, au commandant Cousteau, ça m'avait fait Beaucoup rire. Ah mais, non, mais parce que on sait son amour qu'il a pour l'eau euh, depuis au moins Abyss et il a fait Titanic pour des raisons euh, similaires alors, ouais. parce que ça le passionne le, le, le comment dire l'accident et il était allé lui-même euh, voir la comment dire l'épave sous l'eau. Ah bon ça je ouais, savais pas. Grâce notamment je crois au fond du qu'on rapportait rapporté le film et du coup il était allé dans un petit euh, je sais pas, un petit sous-marin à visiter, il y a un documentaire dessus. C'est vraiment un truc qui le passionne et je pense que, en fait, Avatar 1, c'était une frustration pour lui parce que, du coup, dans Avatar 2, il s'éclate quoi. Oui, là, il est vraiment allé au fond de l'eau. On comprend qu'il a pris ces scènes aquatiques très au sérieux, notamment parce que c'est un élément central dans le film et notamment au niveau symbolique parce que l'eau ça représente tout ce qui est la vie, oui, le flux, la vie, etc. Et c'est pour ça que le tournage a été étalé sur plusieurs années parce que les acteurs tournent. Ont tourné les scènes dans d'énormes bassins, donc ils ont dû avoir des conditions physiques pour le faire, notamment Ken Winslet qui disait pour rire qu'elle allait devoir refaire des scènes dans l'eau après Titanic et qu'elle était prête à battre son record d'apnée. Enfin, c'est <laughs> assez marrant. Euh, et donc, euh, pour moi, c'est pour ça que ça fonctionne si bien, parce qu'en fait, tout est factice dans le film, enfin, tout est factice, tout est virtu virtuel et numérique, et en fait, l'eau, elle, elle est bien réelle. Et la 3D, justement, lui donne une présence euh, matérielle unique et, et plus forte qui, 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 qui est passionnante. C'est vrai qu'on le, on le redit, c'est une expérience vraiment fascinante comme ça d'avoir euh, cette impression au cinéma de la, la sensation de l'eau, de, de la sentir à travers ses yeux, à travers ses doigts, enfin, on se sent complètement euh, entouré par, euh, par ça. Quoi. Donc euh, Avatar 2, comme on l'avait dit, pour l'instant, il réalise un des meilleurs démarrages de l'année. On verra à combien le film terminera euh, sa course en salle. Tu prendre les paris. Oui, vas-y, Morgane, tu, tu paries combien Allez, combien d'entrées euh, en, en France, France Oui. Euh, allez, on va donner un chiffre, ça va être marrant précis. Euh, euh, tu es sûr de toi Allez, virgu... euh, 13,4 millions. Attends, 13,4 millions d'entrées ouais. en France Oui. 13,4 hein Oui. Ok. On, on, on refera les comptes euh, quand euh, le film aura terminé sa course euh, en salle. Euh... Euh, quand il n'y sera plus, on fera euh, une introduction à un épisode <laughs> d'arrêt caméra et on dira si oui ou non il a fait 13,4 millions d'entrées en France. Et s'il s'en est rapproché, chapeau. On prend les paris. On passe à l'arrêt essai pour parler du film Corsage de Marie Kreutzer. Remarquez à Cannes en 2022 dans la sélection Un certain regard. Corsage de Marie Kreutzer, euh, donc un film à la production euh, luxembourgeoise, belge, euh, française, allemande, enfin rien que ça, c'est donc un film européen, a bénéficié à Vicky Cripps puisqu'elle est repartie avec la récompense, je cite, de la meilleure performance. Biopic mélangeant fiction et réel, comme tout film de cette catégorie qui se respecte, Corsage donne une autre vision de la vie de la fameuse Sicile impératrice, soit. Elisabeth de wittelbach oui on saura que j'ai fait mes recherches wikipédia et donc une autre vision que celle de la trilogie euh, du même nom euh, sicile l'impératrice, avec romy schneider oui euh, corsage s'attarde sur les dernières années de l'impératrice Elisabeth euh, de wittelbach pour euh, faire le bon élève qui à l'approche de la quarantaine supporte de moins en moins la vie de monarque la routine et les apparats elle tente en vain de tuer sa dépression dans l'œuf, en fuyant les, les ragots de la cours de l'Empire austro-hongrois et surtout euh, son mari François-Joseph Ier qui euh, ne la désire plus. Elle retrouve des amants d'antan, pose pour un cinéaste avant l'heure et se découvre un amour nocif pour euh, l'héroïne. On ne peut que penser, je trouve, euh, à Spencer de Pablo Larraine en sortant de Corsage. Je crois que tu as fait le même parallèle, Morgan. Ouais, c'est. Euh, je crois que même pendant, pendant le film, je t'ai dit, on dirait euh, Spencer. C'est vrai, et euh, Eric Nooff a fait le même parallèle que nous. Bon, ouais, vous ouais. en dédurez ce que vous <laughs> voulez. Les deux films choisissent, donc Corsage et Spencer, de parler chacun leur tour de deux reines aux similitudes assez nombreuses. Donc elles ont été délaissées par leur mari, euh, elles sont euh, affranchies des conventions, on peut dire qu'elles sont mal dans leur peau aussi. Par exemple, les deux, elles ont des troubles du comportement alimentaire, euh, par exemple. Mmh, vrai. Et elles sont aussi très appréciées par euh, leur sujet, comme l'atteste d'ailleurs euh, euh, l'histoire. On peut aussi rajouter qu'elles ont eu un destin tragique, même si la fin choisit, pour l'impératrice Elisabeth d'Autriche dans Corsage par Kreutzer, ne correspond pas à ce qui s'est historiquement passé. Enfin, pour autant, de mon côté, je préfère largement la version Corsage, malgré ses défauts, que la version Spencer, ne serait-ce qu'à cause des interprétations de chacune des actrices qui sont très différentes. Vicky Cripps n'a pas spécialement cherché à, à correspondre euh, jusqu'au tic en fait, de, de l'impératrice ici, même si ses actions, son désir de liberté et ses humeurs sont euh, similaires à, à ce qui est décrit historiquement. Je trouve que son jeu se, se confond à s'y méprendre avec les tableaux de l'impératrice qui existent. Je suis pareil, je suis allée chercher, je, je me disais, j'avais en tête euh, l'image de, de Sissi qui correspond à Romy Schneider, mais je me suis dit, bon, euh, Elisabeth euh, d'Autriche, elle, elle ressemblait à, à quoi fondamentalement C'était quoi sa tête C'était quoi euh, ses, ses expressions faciales et euh, Vicky Cripps, elle a vraiment réussi, je trouve, à, à, à dégager, on va dire, euh, la même intensité, la, la même euh, aura. Et euh, fin, quand on voit ces tableaux, fin, vraiment, ce qui est frappant, euh, c'est qu'on détecte, en fait, quelqu'un qui ne va pas bien, qui, euh, qui euh, connaît une espèce de mélancolie profonde, une, une dépression. Et, et ça, vraiment, c'est prégnant pendant tout le film. Ah oui, tu as, as remarqué juste. Euh, et même en matière d'approche et de mise en scène, euh, je préfère le film de Marie Kroetzer que. Le film de Pablo Lorraine, euh, Spencer, qui a essayé de faire un film. Euh, bah, en fait, c'est conceptuel. Il imagine un biopic comme un film d'horreur doloriste sur euh, Lady Diana. Et là, j'allais dire, c'est vraiment quand on, on y pense pour faire la rétrospective de cette année, il y a vraiment, je trouve, deux approches euh, du, du biopic euh, avec des femmes. Il y a soit, effectivement, pour reprendre tes termes, Mordan, l'approche la, euh, la, doloriste. Donc, il y a le Spencer euh, où elle souffre, où euh, c'est horrible. Euh, mais Blonde de Andrew Dominic avec Marine Monroe, c'est la même chose. C'est une approche qui est aussi dans la douleur, comme ça. C'est exactement le, oui, le, le même procédé, sauf que euh, dans Blonde, on est sur toute la vie, alors que Spencer, euh, lui. Euh, oui, on est sur des tranches de vie a, très spécifiques. C'est un concept, euh, ça se passe en une journée. Voilà. Mais tout à fait, c'est le, le, le biopic un peu sans sas, euh, qui d'ailleurs nommé euh, aux Oscars, les, les, les deux. On ne sait pas encore pour Blonde, mais ça devrait être le cas. Et ça fonctionne. Donc on, on sort, euh, enfin on sortait en tout cas épuisé et rincé de Spencer, parce qu'il en faisait trop, c'était euh, hystérique. Euh, Corsage est au fond plus classique et on peut certes le lui reprocher, car il arrive souvent d'être plat, à mon goût, de ne pas trop décoller, et, mais au moins il a le mérite de, de ne pas énerver son spectateur et et tout le discours de Mary Kreutzer passe mieux pour le coup, enfin c'est vrai que c'est bien plus subtil que ce qu'on a vu dans euh, Spencer. C'est ça. Euh, je retiens quand même quelques belles séquences, notamment le, le séjour en Angleterre de Sissy, où elle rencontre euh, Louis le Prince, qui est un des pionniers du cinéma, qui est joué par euh, Finigan. Euh, oui, On, on c'est ça. Je, je cherche le nom. Oui, euh, et qui euh, donc un acteur français et euh, qui est euh, donc euh, celui qui a notamment participé au perfectionnement de la chrono photographie, qui avait été inventée par euh, Muybridge et en tout cas, par les expériences de Muybridge et Étienne Jules Marais. Euh, je ne suis pas sûr que les deux se soient en fait réellement rencontrés. Et d'ailleurs, il me semble que les premiers films de Louis Le Prince datent de la fin des années 1880. Et alors que le, leur rencontre, c'est 1878, je crois, dans le corsage. Euh, mais bon, c'est une romantisation du réel qui fait sens dans le film, notamment sur le rapport de Cici à son image. Le film. Oui, elle passe, elle passe complètement. En fait, on, on peut imaginer que ça se soit passé si on ne connaît pas l'histoire. Oui c'est ça et le, et le, et le, le film fait d'ailleurs beaucoup d'entorses au réel enfin il use d'anachronismes que je trouve assez savoureux pour, pour du cinéma de costume qui, qui lui apporte en fait une sorte de, 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 de fantaisie. Oui de mon côté je trouve pas que ces anachronismes ils soient euh, choquants il y, y a des films historiques qui en abusent j'ai un souvenir assez fort par exemple d'un biopic sur euh, Virginia Woolf avec euh, Elisabeth Debicki qui mettait tout le temps une espèce de, de musique électropop euh, digne des magasins Colette, euh, feu de magasins Colette euh, à Paris. Enfin, c'était absurde. Je ne l'ai pas vu. Bah, heureusement. Et <laughs> là, là, on a, on a autre chose. Hein. Je veux dire, on a des anachronismes, mais à moins de vraiment, vraiment connaître l'histoire, c'est, euh, c'est pas choquant. Et puis, euh, bon, ça, ça donne un peu plus, euh, j'ai envie de dire, de, de souffle en fait, euh, au, au, au film. Là, enfin. Euh, ça, ça passe, quoi. Il y a, on ne les saisit pas toujours. Et par exemple, il y a une séquence, je me rappelle très bien, où il y a du Rolling Stone qui est joué euh, au violoncelle. Enfin, cette séquence-là, elle, elle peut donner l'illusion, si on ne si connaît pas le, le morceau, pardon, qu'il s'agissait d'une musique d'époque pour les non-mélomanes. Enfin, ça, quelque part, c'est tenter de faire la démonstration, j'ai envie de dire, euh, d'une certaine universalité des objets culturels, de la musique, du cinéma. Et euh, c'est pareil euh, fin, pour la rencontre entre Sissi et... Euh, Louis Le Prince. Malgré ses platitudes, Corsage, c'est un film qui tient la route, parce qu'il est mesuré dans ses idées, dans ses anachronismes, bien évidemment, comme je l'ai dit, mais aussi dans son traitement qui n'est pas inutilement appuyé pour tout ce que l'étiquette a imposé à Sissi. Enfin, certes, elle était libre, mais elle l'a quand même payé très cher, comme le montre le film. Il y a une grande solitude qui, qui est vraiment prégnante. Il y a beaucoup de déprime, comme je l'avais dit, et surtout il euh, y a une cruauté qu'on devine pas sienne à l'origine, c'est-à-dire que à force de subir, Elisabeth d'Autriche, en fait, Marie Kreutzer, elle a fait un personnage qui euh, devient cruel en cherchant à retirer aux autres ce qu'à elle, on a cherché à euh, lui enlever euh, par tous les, les moyens. Rien qu'on a enlevé, en fait. Bien sûr. Donc euh, voilà, euh, elle répercute ça euh, sur les autres. Si euh, son personnage, Sissi, n'arrive pas euh, à être tranquille, un peu heureuse, Quelque part, pourquoi les autres le seraient C'est ce que Crudeza a cherché à montrer dans son film. Mais le film euh, se prend, enfin, euh, je trouve le, un peu les pieds dans le, dans le piège du film sur l'ennui. En fait, euh, on a beaucoup de films qui, qui filment l'ennui euh, de personnages et euh, il devient lui-même, je trouve, un peu chiant. On, on a des scènes un peu génériques, en fait, de, de repas euh, qui tournent au vinaigre. Euh, Enfin, euh, c'est souvent un, un trope du, du cinéma bourgeois où en fait les, re, les scènes de repas où c'est notamment une, des représentations euh, de des personnages dans leur rôle de, de reine, etc. Oui, bah, avec euh, des repas qui démarrent normalement et puis euh, qui finissent dans les ça. disputes, dans les conflits, etc. Et là, c'est vrai que pour Corsage c'est toujours euh, feutré. Ce sont des scènes en fait qui qui ont de du mal, je trouve, à, à décoller. Voilà, et, euh, et donc des scènes de, donc de repas, de rébellions étouffées, euh, des disputes avec l'empereur, c'est pas, pas pour moi les, les meilleures séquences du film. Euh, on reste globalement dans, dans l'anecdotique avec ce, ce genre de séquences, euh, et je trouve que le film, du coup, est, est tout, euh, pour pas faire une, <laughs> un mauvais jeu de mots, corseté dans son austérité, euh, mais ça reste un beau portrait de, de femme mélancolique, même si ce n'est pas le film le plus palpitant et intéressant du, du genre. Et moi, pour le coup, sur un même sujet, avec Autant voir plus de fantaisie et de trahison historique, bah, j'ai préféré euh, le Marie-Antoinette de Sofia Coppola. C'est là qu'on voit que les biopics de reines indépendantes, euh, libres, mais en même temps euh, pas appréciées à la cour, en fait, euh, il y en a quelques-uns. Mmh. Mais il n'empêche qu'en soi, Corse, je, je trouve, a le mérite de, de creuser la vie d'une figure importante de la monarchie européenne en essayant de parler un peu plus de ce qui s'est réellement passé passé loin de, de tout fantasme, parce que, euh, de ce que j'ai compris, le, la trilogie avec euh, Romy Schneider, en fait, a donné euh, l'image d'une personnalité qui est euh, absolument euh, opposée à ce qui s'est réellement euh, passé. Enfin, moi, je suis assez contente que Marie Kreutzer, elle n'ait pas fait de sa cici une sainte. On a, on a besoin, je trouve, de personnages plus ambivalents au cinéma, en particulier de, de personnages féminins, dont le but n'est pas de chercher à prouver je ne sais quoi, y compris de la part du réalisateur ou de la réalisatrice qui aurait un message à faire passer. Je retiens de, de Corsage quelques séquences qui m'ont beaucoup emballée, bah, par exemple avec son cousin Louis II de Bavière, qui est, dont l'acteur est assez âgé pour le rôle je ne sais pour quelle raison, parce qu'apparemment, Louis II de Bavière, il est mort à 22 ans, bon, là, il en a le double. Bon, ouais. Ou dans les asiles, et euh, je dirais que les séquences dans, dans les asiles... Pour moi, ce sont les, les plus fortes. Parce qu'elles montrent que Sissi, de par son rang, elle subit des contraintes tout en ayant malgré tout échappé à l'internement abusif des femmes des couches inférieures de la société qui euh, n'ont pas respecté euh, les règles en vigueur. Par exemple, il y a des séquences où euh, des femmes sont plongées dans des bains euh, d'eau froide et, et souffrent parce qu'elles sont euh, accusées d'adultère. Et donc Sissi euh, voit ça. Et en même temps, bon, on voit très bien qu'elle se dit euh, j'ai quand même un minimum de chance d'y avoir échappé. L'impertinence générale de son personnage et du film fonctionne grâce à son traitement austère, mais oui, effectivement, il lui manque du souffle, il lui manque un peu de dynamisme, parce que malgré tout, malgré ce que ça raconte, oui, enfin, je vais répéter ce que tu as dit Morgane, c'est encore un peu plat. quoi. Oui, et puis je ne vais pas faire non plus le procès d'austérité, parce qu'il y a de nombreux films austères que j'ai appréciés. Euh, mais je trouve qu'on reste globalement dans un certain confort du cinéma de costume, euh, bien que ce soit au service d'un propos moderne. Là, c'est une belle, euh, belle façon de, de revoir le, le cinéma de costume. Donc d'un film historique à un autre, on passe à Godland de Inger Palmason, qui était euh, justement lui aussi euh, en compétition à Un certain regard cette année à Cannes. Présenté à Cannes donc à la sélection Un certain regard, Godland réalisé par Inger Palmason. A reçu pas moins de 5 récompenses en festival, si bien que j'ai compté. Je ne vais pas toutes les citer, d'ailleurs, je ne les ai pas retenues. Juste, euh, c'est marrant, il n'a bon, pas gagné de prix à euh, un certain regard, mais il a gagné le, le prix euh, de la Palme Dog euh, qui récompense le meilleur chien euh, du festival de Cannes. Je crois que avec ton intervention, Morgane, tout le monde aura euh, découvert qu'il existe un prix euh, pour euh, nos amis les animaux à Cannes. Oui. Donc, bénéficiant d'un engouement critique certain, le film est distribué par jour de fête. Avant d'aborder ces thématiques en détail, est-ce que tu peux nous en dire plus sur son contexte, Morgan euh, Le film est basé sur un ensemble de, je crois, sept photos retrouvées en Islande. C'est des photos qui datent de la fin du XIXe siècle et qui auraient été prises par un prêtre danois. Il s'agit des plus vieilles photos prises de la côte sud-est de l'Islande. Euh, donc Godland part de cette anecdote historique et tente de raconter l'histoire de ce prêtre, parti du Danemark pour construire une église en Islande et photographier sa population. Sa quête prend l'allure d'un road trip épique dans les terres sauvages d'Islande et la confrontation avec cette nature indomptée et son peuple va peu à peu l'entraîner dans une spirale de la tentation et du péché. C'est sûr que des terres sauvages islandaises, on en voit beaucoup dans Godland, ceux qui aiment le pays seront servis. Le film brasse pas mal de thématiques, il y a donc le péché, l'idée, on va dire, de l'homme soumis à la nature, il y a aussi le colonialisme puisque l'Islande était sous domination danoise à la fin du 19e siècle. Et euh, je ne crois pas que c'est un sujet qui était été souvent abordé euh, au cinéma, donc euh, pour trois pas. En prêtre Colomb, le personnage principal qu'on suit du début jusqu'à la fin, il est sans cesse confronté à la relativité, disons, de la domination que son pays pardon, euh, exerce sur les terres islandaises. Puisque lui-même, euh, et j'ai trouvé ça assez euh, sidérant, c'est une des idées du, du film qui m'a le plus plu, quand même, il fait jamais l'effort d'apprendre la langue islandaise malgré sa vocation à prêcher la bonne parole auprès des locaux, comme ça lui a été indiqué au début de, de son road trip. Et c'est peut-être ce road trip la meilleure partie de Godland. C'est effectivement toute la, la première heure du, du film qui est la plus convaincante. On est sur une longue et lente odyssée à travers la nature sauvage et hostile de l'Islande. Là, le film il a des allures de western dans, dans le grand froid. Euh, J'ai pensé à la dernière piste de Kelly Richard euh, en raison de l'utilisation du format d'image carrée. Il y a de très beaux passages où Palmason filme les, les différences d'environnement qui font la richesse de, géographique de l'île, comme, comme on connaît ou qu'on commence à connaître. Euh, mais également une vraie galère pour euh, traverser justement ce pays à cheval. On, on le suppose en tout cas, parce que vu comment... Euh, Il y, y a au moins un drame dans Godland qui indique qu'effectivement, euh, ce n'est pas forcément un film adapté pour ce qui était finalement le... Le, le moyen de transport le, le plus commun, en fait, euh, à la fin du 19e siècle, enfin, les gens, quand ils voulaient aller plus vite, euh, ils étaient placés surtout à cheval. Ouais, C'est ça. Et donc, on passe d'un terrain euh, à queue au début, euh, même limite boueux, à une rivière torrentielle, puis un désert sans fond pour les chevaux, justement, et enfin un glacier mortel. Donc, euh, voilà, on, on comprend que la, la traversée est, euh, est complètement euh, difficile. Quoi. Kelly Richard, pour le carré, effectivement, le format carré. Euh pour aussi euh, le respect absolu, j'ai envie de dire, de la règle de 3 en photographie, euh, les motifs parfaitement centrés. Enfin, en dehors du grain de, de l'image, euh, ouais, effectivement, ça, ça y ressemble pas mal. Je vais pas faire de mystère. Euh, a... Donc, comme je l'avais dit, le film, il a été encensé par la critique. Euh, mais de mon côté, enfin, je, je l'ai détesté sur à peu près tous les points qu'on va évoquer. Il y a un côté Lonely Planet dans tous ces paysages islandais qui m'a pas ému une seule seconde. Euh, à part de la représentation, je trouve pas que ces images vont euh, très loin. Ça enfin, à dire euh, oui, super, euh, ça, ça, vend la beauté euh, de l'Islande, mais bon, euh, qu'est-ce que ça dit de plus Pas, pas grand-chose, j'ai trouvé. Enfin, le temps qui passe, les saisons qui changent, tout ça est un peu bas du front à mes yeux. Enfin, l'esthétique très travaillée, façon euh, Daguerreotype, pour faire écho au loisir principal du prêtre, la photographie. Donc, enfin, c'est si forcé que ouais, ça, ça manque de, de subtilité. C'est juste une espèce de déco. Euh, vaguement euh, lointain. Je pense de toute façon que le, le, procès init... le projet pardon, initial de Godland, à savoir créer donc une histoire autour de ces, euh, cette photo mystérieuse, c'est pourquoi pas, c'est une bonne idée, mais elle a, elle a quand même été exécutée euh, avec les pieds et euh, pas beaucoup d'inventivité. On a vu bien mieux en matière de, de road trip, bien mieux sur la foi aussi, euh, sur les hauts et les bas de, de la foi, sur, euh, sur le rapport à la Terre, sur la Terre... Euh, il y a 2h20 en fait, de, de certains passages qui sont assez redondants et j'ai fini par en avoir marre, enfin, ce qui va quand même forcer euh, Morgan à défendre un peu plus le film pour compenser. Oui, parce que c'est vrai que j'ai un peu plus aimé le film, euh, même s'il m'a déçu. Euh, pour le coup, j'avais bien aimé les, les deux précédents longs métrages du réalisateur euh, islandais, surtout Winter Brothers. D'ailleurs, on retrouve les, les deux interprètes principaux de ces deux films, donc euh, Winter Brothers et Un jour si blanc, c'est euh, Elliot Crossethoff qui joue le, le prêtre. Qui était dans Winter Brothers et Ingvar Sigursson, qui, euh, qui fait le guide. Euh, et qui sont excellents dans le film. Enfin, je trouve que surtout le, le personnage du. Enfin, c'est plus. Les acteurs sont très bons, mais le personnage du guide est assez génial. Mais c'est d'ailleurs une des choses aussi que je reproche à Godland, c'est que j'ai trouvé que le personnage le plus intéressant n'était pas le personnage sur lequel le film se, se focalisait. Et j'ai trouvé ça dramatique. Ah non, non, c'est vrai, je comprends. Ça peut être. Euh problématique quand tu regardes un film et que en fait, le personnage principal, tu, tu, tu es désintéressé complètement. Bien sûr. Euh, bon, moi, j'attendais beaucoup de Godland, notamment parce qu'il avait été très bien reçu euh, à Cannes. Et puis, il y a pas mal de gens qui l'ont vu en avant-première et qui ont dit que c'était super. Oui, et euh, j'avais lu que les gens disaient que c'était son meilleur film et euh, ça citait euh, des cinéastes comme John Ford ou Werner Herzog. Euh, malheureusement, si on peut dire qu'on retrouve ces influences surtout dans la première partie du film, euh, notamment via le fait que c'est une, une sorte de chevauchée euh, fantastique, pour, euh, pour citer un, un film de, de John Ford, où on suit toute une diligence de, de, de chevaux qui, qui partent dans, dans, dans l'ouest, euh, même si c'est l'est islandais. Euh, et, euh, et donc la première partie, euh, elle est, est, les, ces influences sont plutôt bien digérées. Euh, je trouve d'ailleurs que le cinéaste ne filme pas l'Islande comme un portfolio euh, Lonely Planet, comme tu dis, euh, parce qu'il euh, montre ça comme un, un pays hostile qui change un peu de la vision qu'on a de l'Islande d'habitude au cinéma. Bah, plus bassement, j'aurais pu dire que ça ressemble à un carousel Instagram, mais je crois que des gens vont crier quand ils vont écouter. La vilaine. Mais la deuxième partie, euh, effectivement, elle fait du surplace et elle impose au film de raconter euh, une histoire qui, pour le coup, euh, est complètement fictive autour du prêtre et euh, pour le coup complètement raté C'est dans cette partie que Godland essaie de montrer la bascule dans le comportement du, du personnage principal qui, face notamment à deux jeunes femmes, se retrouve pris dans la tentation du péché et il va complètement vriller et va finir par devenir un meurtrier. Euh, Palmason réussit un temps à nous intéresser à cette communauté, notamment en la filmant dans une belle scène de mariage avec un un fabuleux panoramique, il y en a deux dans le film, les deux sont très bons, donc celui dans le, la séquence du mariage, euh, qui euh, et aussi ensuite qui est suivi par une séquence de lutte qui est assez comique et qui apporte de la légèreté pour un film qui n'en a pas forcément. Et, mais il y a quand même un fond de tension on sent, dans, cette, dans cette lutte, on sent que ça va euh, accoucher ensuite plus tard dans quelque chose de plus violent. Euh, sauf qu'à mesure que le prêtre plonge dans, la, dans le vice, le film bah, lui plonge dans la bêtise. J'estime qu'il y a un problème d'écriture en fait dans Godland parce que justement cette chute dans la folie euh, elle n'est pas très bien amenée elle est aussi je trouve euh, vraiment opportuniste comme si quelque part il avait fallu en arriver là pour donner un, un coup de fouet au film. C'est comme si euh, le réalisateur lui-même il avait pas cru en son propre projet. Il a voulu y insérer trop de choses pour que chaque bout tienne avec l'autre et euh, ça donne un film un peu bâtard. De mon côté, j'ai vu énormément de, de Bergman et je ne dis pas que c'est un problème, c'est juste moins bien fait. Donc, des exemples. Il euh, y a du regard caméra cadré comme dans Il y a le prêtre qui fait forcément euh, penser à Max von Sydow dans le Septième e saut. Il y a les éléments de la nature qui sont filmés euh, façon la source et j'ai d'ailleurs même cherché sur Google pour voir si mes souvenirs étaient bons, je confirme qu'ils sont bons. Les autochtones de la bourgade islandaise, quand ils regardent la, la lutte, ils sont filmés comme dans le Bergman, la flûte enchantée, comme les spectateurs qui, qui regardent l'opéra de, de Mozart etc. Forcément, à côté, Godland en devient d'autant plus anecdotique parce que quand même, allez, on va comparer à Berman, mais qu'est-ce qui fait la force d'un Berman au cinéma C'est d'aller au fond des choses. C'est de toujours courir après les motifs sous-jacents qui animent la volonté de chacun des personnages à faire ceci ou faire cela. Et c'est cette profondeur, en fait, qui manque à Godland. Le film complètement délesté. C'est vraiment le principal reproche que je lui fais. Il y a, il y a une forme de paresse dans le traitement. Enfin, alors qu'à ce compte-là, euh, j'aurais préféré un film entièrement contemplatif, euh, dans son road trip, quelque chose d'un peu halluciné. Un cinéma de la sensation, euh, et j'en aurais rien dit d'aussi critique. Ouais, ben, je pense que si euh, moi, du, de mon côté, j'ai trouvé des qualités au film, je te rejoins et, euh, globalement sur le, euh, le, fait, le fait que le film n'est pas à hauteur de, de, de ce qu'on pensait. Et, euh, et donc c'est un pétard mouillé <laughs> dommage donc on, on en a fini avec les films en salle et on passe donc à la section VOD SVOD avec euh, Pinocchio qui, de Del Toro ouais. Ouais, qui est dispo sur Netflix depuis le 9 décembre véritable Arlésienne pour Guillermo Del Toro comme son adaptation euh, des Montagnes Hallucinées de Lovecraft dont on attend toujours euh, des nouvelles le, le film d'animation en stop motion Pinocchio a finalement vu le jour grâce à Netflix Co-réalisé avec euh, Marc Gustafson, Pinocchio est la première incursion du cinéaste mexicain dans le domaine de l'animation après avoir quand même produit de manière, c'était euh, productions déléguée, les Kung Fu Panda et les euh, Cinq Légendes. Un film qui vient donc euh, conclure une année euh, chargée pour le réalisateur qui, après la sortie en salle en janvier de Nightmare Alley. Euh, ou Ali, euh, puis de la série qu'il a créée sur Netflix, Le Cabinet des Curiosités, que nous avons d'ailleurs beaucoup apprécié à Arrêt Caméra et dont nous avions fait la critique dans l'épisode 6. Peux-tu nous dire quelques mots sur le film, Julie Oui, Guillermo del Toro, en fait, il modifie sensiblement le, le conte de Pinocchio tel que nous le connaissons, tel qu'il a été créé, pour inventer un fils prodigue en chair et en os à geppetto un fils qu'il a nommé Carlos. Fils qui meurt euh, tragiquement dans des bombardements aériens euh, de la Première euh, Guerre mondiale. Ne pouvant se remettre de son décès, Geppetto, un soir, euh, ivre, sculpte une marionnette qui lui ressemble, euh, marionnette donc qui est euh, effectivement Pinocchio, et cette marionnette euh, prend vie par euh, la suite. C'est ça, donc, euh, ce qui frappe d'entrée devant Pinocchio, euh, je pense que tout le monde euh, est d'accord, c'est évidemment son style graphique, donc avec des marionnettes comme euh, pour, par exemple L'Étrange Noël de Monsieur Jack. Le parti pris de Del Toro est donc plutôt original. Surtout en 2022. Fin, je veux dire, euh, il ne me semble pas qu'on ait l'habitude de, de voir ce genre d'animation à l'heure actuelle. C'est ça. Il euh, y a eu quand même, euh, d'ailleurs Netflix a sorti euh, le film qu'on n'a pas vu Wendell et je sais plus quoi, le dernier Henry Selick, qui est d'ailleurs le réalisateur de l'Étrange Noël de Monsieur Jack, qui est sorti euh, fin octobre euh, pour Halloween. Et notamment co-écrit avec euh, Jordan Peele. Donc, euh, oui, je disais, le, le parti pris de Del Toro est, est donc original. Et même si on n'est pas forcé de toujours adhérer, évidemment, à la, la direction artistique particulière du film, il est curieux de faire un film sur une marionnette qui cherche à devenir humaine avec des personnages qui sont en fait tous des marionnettes. Ça crée un, un décalage et une étrangeté qui est constante dans le film, qui rend du coup, de fait, cette énième adaptation, parce qu'il y en a eu plusieurs, du célèbre conte italien unique en son genre. J'avais compté le nombre d'adaptations. Il y en a eu des tas. Enfin, je. Je crois qu'il y en a eu 20 ou 30, et ce depuis très longtemps. Ah, rien que récemment, il y a eu le, le film en, en prise de vue réelle de oui. Zemeckis qui est sorti sur Disney Plus en septembre, et il y a eu le film a de, eu un autre de Garonne tenait. qui est ouais. sorti l'année dernière ou il y a deux ans. Ça fait quand même, enfin euh, je veux dire, en l'espace de deux ans, ça fait euh, trois Pinocchio, c'est énorme. Oui, tout à fait. Bah, en dehors de, de ce parti pris donc de, de direction artistique, euh, c'est assez original, je, je trouve, d'avoir placé l'intrigue principale de Pinocchio. Dans le contexte de la Première Guerre mondiale, puis au moment de la montée du fascisme, en faisant de la marionnette Pinocchio non plus, on va dire, un avatar du merveilleux, tout juste bon à amuser les enfants, mais une espèce d'Hubermensch Nietzschean grâce à l'immortalité, puisque Pinocchio, dans le film, est immortel. Qu'est-ce qu'un Hubermensch Nietzschean bah, on va dire que c'est une sorte de, de, de surhomme, euh, dans, dans la mesure où là, euh, il est employé à euh, tout un tas de tâches, de euh, l'amusement des enfants par ses particularités, euh, au statut de euh, soldat euh, hyper puissant. Il mmh. y a vraiment un côté euh, homme du futur. Alors que, oui, à cause du fait qu'ils ressemblent tous à des marionnettes, mais lui ressemble encore plus à une marionnette que les autres, euh, ce, ce décalage fait que, vraiment, encore une fois, on a l'impression que c'est euh, l'homme de, de, de l'avenir. C'est euh, le soldat inespéré des chefs de l'Italie d'alors, euh, que ce soit les politiques euh, ou les opportunistes, qui sont d'ailleurs amis avec euh, les premiers, ce qui est finalement très lucide sur la façon dont les, les choses fonctionnent. Tu parles Pardon. notamment du, euh, du responsable du... Du cirque, oui. ouais. C'est euh, littéralement un enfant increvable, ce qui en devient euh, aussi euh, un running gag, parce que le, le film de Del Toro s'amuse de ça, et quelque part, il est euh, plus proche de, de Frankenstein que, que de l'image de l'ami imaginaire. Euh, C'est pas étonnant que Daltoro ait dit qu'il se soit inspiré de l'histoire de, de Maréchalet pour en composer, on va dire, une version qui est quand même euh, bien plus joyeuse et bien évidemment plus juvénile. Oui, c'est d'ailleurs pas surprenant quand on sait qu'adapter Frankenstein est un rêve d'enfant de Del Toro et qui d'ailleurs s'apprête à le faire sous la bannière de Netflix. Apparemment, le tournage serait prévu en juin 2023. Oui, donc on le verra pas de suite ce film euh, Oui, 2024, je pense. Il faudra attendre. Euh, oui, donc euh, pour revenir à Pinocchio, poser l'intrigue de son film dans l'Italie fasciste avec la menace de la guerre en, en toile de fond fait écho au film fantastique du réalisateur qui se déroulait. Dans, pendant la guerre d'Espagne, je fais écho à Les Chines du Diable et euh, le Labyrinthe de Pan. Pinocchio ressemble d'ailleurs beaucoup au second avec son imbrication du monde réel et du monde imaginaire, même si ici il ne fait pas de mystère sur l'existence du monde imaginaire, contrairement au Labyrinthe de Pan. Euh, et il euh, y a aussi un, un écho dans la figure du colonel fasciste qui ressemble au, au méchant de, du Labyrinthe de Pan. Disons que le Labyrinthe de Pan, je dirais, c'est plus du fantastique là où. Euh... Pinocchio, du fait que c'est un conte initialement, c'est du merveilleux. Voilà, c'est ça. Même s'il y a des codes du fantastique parce que qu'on retrouve des trucs un peu effrayants. Euh, donc je trouve d'ailleurs Pinocchio plus récique que de Pan car Del Toro ne cède jamais complètement au pathos qui m'avait dérangé dans, le, dans ce, dans ce film-là. Grâce au personnage du Pantin qui me rappelle énormément le Candide de Voltaire en fait. C'est une sorte d'optimiste indéfectible auquel il arrive des choses horribles et qui en pire du coup ces choses au fur et à mesure de l'intrigue mais dont il parvient toujours à s'échapper euh, grâce à la candeur et à la fin du film bah, on retrouve un Pinocchio certes plus sage et responsable qui euh, part à la conquête du monde comme euh, il pouvait euh, quand dit cultiver son jardin à la fin euh, du livre de Voltaire Néanmoins Del Toro lui n'est pas un philosophe et son film n'est pas complètement un, un conte moral en fait c'est dans cela qu'il est vraiment intéressant à la fin elle est ambiguë C'est vrai qu'il n'y a pas de morale dans ce Pinocchio d'Aldro enfin je, je, je défie qui compte de trouver une morale oui, Parce qu'en fait Pinocchio à la base c'est un conte moral le, Bien le, sûr le, le, le conte italien. Et là, il, en fait, à la fin, c'est ambigu, il ne devient pas un, un enfant, il reste pour toujours un pantin immortel. Et donc, il reste du côté du monstre. Là, on est dans le cinéma de Del Toro, c'est-à-dire euh, le fait qu'il ne devienne pas un être humain et reste un monstre, bah, là, c'est complètement euh, del si on peut se permettre du, du terme. Mais c'est une belle infidélité au conte original et aussi au film de Disney, qui est évidemment l'avatar le plus connu du, du, du roman. Les nombreuses infidélités, pour reprendre ton terme Morgan au conte original de la part de Del Toro, moi je trouve qu'elles sont, elles sont bien senties. Euh, C'est quand même pas évident de s'attaquer à une histoire, comme on l'a dit, qu'on a vu des tas de fois. Euh, il faut éviter la lassitude du spectateur. Enfin, mieux vaut avoir quand même quelques trouvailles dans sa manche. Par exemple, son monde des morts, c'en euh, est une. C'est une des trouvailles qui m'a le plus plu. Euh, dans le monde des morts du Pinocchio de Del Toro, il y a des lapins qu'on voit, il y a des figures féminines qui sont effrayantes. Euh, mi-femme, mi-animal, et tout ça, ça m'a fait penser quand même à des légendes et des contes qui sont finalement très différents du euh, simple conte merveilleux italien de Che Pinocchio. Pour le coup, dans la catégorie euh, des, on va dire, des films avec des monstres de Del Toro, c'est euh, un euh, des, euh, des des films que j'ai le plus apprécié, avec, euh, bon, La Forme de l'eau, je sais qu'il n'a pas plu à tout le monde, moi il m'a beaucoup plu. Parce que euh, là-dedans, je trouve, dans ces deux films-là, il y a quand même une cruauté qui est euh, en retrait. Ce n'est pas exagéré par rapport au réel, ce n'est pas, pas gratuit. C'est-à-dire, concrètement, bon, il montre les cruautés dans Pinocchio d'Altoro de la guerre, mais je trouve qu'il n'en fait pas des caisses. Et ils montrent pas des souffrances inutiles, etc. Hop. En revanche, ce qu'il montre, euh, c'est euh, ce qui s'est réellement passé. Il n'y a, a, a pas d'exagération. Il y, y a juste une chose qui est à être euh, gratuite que j'ai vraiment pas aimée dans son Pinocchio. Euh, je ne comprends pas la, la mode chez les Américains, à Hollywood notamment, pour la musique euh, du compositeur français euh, Alexandre Desplat. Je, je sais qu'il est énormément apprécié là-bas, mais euh Enfin, je, je, vraiment, ces productions, elles me tapent sur le système. C'est une mode qui dure. En plus, hein. ça fait euh, bien euh, 12 ou 15 ans qu'il qu fait des, des, des compositions pour, bien euh, sûr. pour et... les films américains. Et il a eu pas mal d'Oscars, hein, il me semble. Bien sûr, mais, mais sans exagérer, je trouve presque qu'il qu gâche son film. C'est trop. Ouais, c'est un peu neuneux, en fait, comme musique. Et, et je partage du coup le même avis que toi sur Desplat. Et aussi pour euh, tout le côté musical du film, je le trouve un peu bancal. La moitié des passages chantés sont assez ratés. Et c'est un peu dommage de vouloir faire justement comme Disney, nous infliger des chansons. Puis pour le coup, contrairement à Disney, elles sont connues, elles sont, elles sont, elles sont mémorables. Là, elles sont mal écrites, mal chantées. C'est vrai. Et du je, coup, en mémorable. fait, clairement, pour euh, je pense que Del Toro, quand il a fait des chants dans son Pinocchio, euh, le but c'était bien évidemment de, de faire écho, de faire une sorte un peu de pastiche de ce qu'a fait Disney, mais euh, ça, ça tient pas la route. C'est à dire que je pense qu'il aurait mieux valu soit faire un film chanté, donc comme une comédie musicale. Euh, soit s'abstenir totalement parce que bon là il y a deux chansons sur deux heures de film à quoi ça sert quoi enfin euh, j'exagère il y en a peut-être trois euh, il mais... y en a plus quand même il hein. oh, y, qu hein. y en a pas tant que c'est juste ça. que ça t'a pas marqué parce que c'était pas très euh... j'ai préféré euh, le retirer de ma mémoire <laughs> non je crois que même rien que dans l'intro il euh, y, y en a trois puis après quand il est au camp il y en a une quand il chante dans le cirque il y en a une autre il euh, y en a il y en a pas mal en fait hein mais c'est juste qu'on s'en souvient plus et euh, donc du coup c'était mon gros bémol personnel en plus de quelques passages qui je pense auraient pu être plus forts comme l'arrivée de Mussolini qui pour le coup est réduit une sorte de là, de là ça fait très anecdotique effectivement c'est comme bébé un ouais Gang, oui. Euh, Ou euh, encore, je trouve la, la, un peu décevante la confrontation avec Monstro, la baleine, qui pour moi dans, dans le Disney est quand même euh, m'a traumatisé quand j'étais enfant. Là, on est peut-être un peu trop dans le pastiche, alors que ça aurait pu être justement c'est Del Toro, ça aurait pu être un peu plus dans, dans l'effroi, quoi. Après, euh, voilà, si je resitue le Pinocchio de Del Toro dans euh, les films qui sont disponibles exclusivement sur Netflix, je trouve que c'est un des films les moins pires de la plateforme. Même euh, un des meilleurs, du coup, on peut être positif, voir le moi bah, Disons, euh, si euh, on devait faire un top 10, top 15 des films disponibles exclusivement sur Netflix, euh, oui, Pinocchio de Del Toro serait dedans. Et donc voilà, c'est sur Pinocchio que nous terminons cette année 2022. On vous remercie de nous avoir suivis et de nous avoir été fidèles sur ce projet depuis son lancement en août déjà. Euh, pour 2023, on... déjà on continue. Oui, on revient et on a des projets qu'on aimerait bien concrétiser pour faire évoluer le podcast dans le bon sens, donc on en, on en reparlera plus tard. On revient dans trois semaines, je sais plus, qu'est-ce que ce sera la date prochaine de, de l'enregistrement C'est début janvier C'est le 13 janvier, très exactement. Merci. Et on parlera pour le coup, on a déjà le, le programme, on parlera de Megan de Gérard Johnston, donc on reviendra à du cinéma d'horreur, youhou euh, Nostalgia de Mario Martone qui était à, à, en compétition au festival de Cannes. Et, Un des euh, films effectivement de Cannes qui sort euh, les, le plus tard après la, la sélection officielle. C'est ça. Et euh, euh, De Humani Corporis Fabrica de Verena Paravel et Lucien Castin-Taylor qui, euh, qui était à la quinzaine. Euh, et donc, pour la section VOD-SVOD, on va encore parler d'un film Netflix, mais, euh, mais celui-là a l'air intéressant aussi. Euh, c'est une adaptation euh... de Edgar Allan Poe, c'est ça Oui, enfin, alors c'est pas vraiment une adaptation d'Edgar Allan Poe, c'est euh, une sorte de, de film qui, euh, qui mêle euh, des histoires d'Edgar Allan Poe et sa, et sa vie réelle. Donc, c'est Pale Blue Eye de Scott Cooper, avec notamment euh, euh, Christian Bale. Donc euh, d'ici là, on vous souhaite de passer de bonnes fêtes et joyeux Noël, bonne année et on vous année. dit euh, le truc un peu chiant à l'année prochaine. Oui, ben bah, tout le monde va faire ça à l'année prochaine. Salut.